I'm
La chance, il y a le don, et bien, j'ai le don, même si il y a eu une chute de couleur, on se fera très bien ce soir. Parfois, il y a même, on garde, chante, soutenant. À ma tâche, je suis ma zéro, à ma tâche, je suis ma zéro, à ma soutenant de ma lettre, mais je soutiens bien l'as, il y a le soutenant. Bonjour.
أليس زميرا أن يجتمع في قبائليا أتس دوغي مانيس ستموني منينس نتسات ستيذ نوهو ماضا يمارا فوغا تاولي اسمين تبريد ذاليا سوذ من تسنا إدهقا تدو كلا تدو كلا نيم دو كان تيكسان تسال خطيري تدين دي موريال داس الجرو تجمع أن يمنين أن تكتيوين تسال ثاني سداوي وتنزقا تسدوان دي موريال دي الكام داليا ولا دي قبائل ودي قبائل ورتسافي تسكين دي ثاول تكاديمي تسنى تكنولوجي التسليزري لكن انا نفك في مغنيوين وغي وا لبالي يكوني تموت في قبائلية اهيل بس اهيل دم سباهو ان من دم اسنتا اراد يوين ان بقاون اراد وين ان بقاون النار يلوى ثمود ديان عشرة دقيقة هذا يفكر تيري ليه بمقادوة ما زايد إيمس سينا سينا عدد الفورس كاسيا أراد يسفروري أشلا تكتي ويمس وقيا داحيري بساكي وقيت تبني ثيق دي كل وقيت يسويا يزيد من دلع داقي وتعطي العرب لأولا نبدو أن دودي لعنية متمطوس أماكن قرصة غيريت النار أن زوين دي مسا فريدة بوزارة أنت نغرى مع شرق قيتون أولا مرحبا ألوغ سنبدا أسدون ديالية مطوط فمطوط ونتيما أسدون ديالية كوالجاز ديالية كي غتيجي عليكم بتسنول بتزمر تنول بتقبيلي تنول سمحت لي هاد شي حاجات اللي غساكين ستروميت ستروميت تخدم على الخبايا كيا تقبيلي في تقديم السلعات تقبل لي سيتي ساجو تقريت المدا ورا لي سكوبا فوالا alors au nom de toutes les fois la laïcité à leur Kabylie le rôle de la Kabylie dans la renaissance identitaire amazigh n'est plus à démontrer plus encore nous pouvons considérer que ce combat pour la reconnaissance de l'identité amazigh est gagné non parce qu'il ne reste plus rien à faire sur le plan juridique, politique, sociale et au niveau de l'éducation, au contraire, tout reste à faire. Mais nous pouvons considérer que ce combat est gagné, car le fait qu'elle nazir aujourd'hui ne peut plus être nié, ni en Afrique du Nord, ni ailleurs. Partout en Afrique du Nord, et même au Moyen-Orient, il y a des populations qui se revendiquent de leur amazérité. Ce qui nous semble important et pertinent de considérer aujourd'hui, ce sont plutôt les enjeux qui sont adjacents à cette mobilisation pour Femezir, qui sont le pluralisme linguistique, culturel ou politique, le respect des droits de la personne, la démocratie et la laïcité. Or, ces enjeux-là sont les caractéristiques d'un état de droit. Conséquemment, et dans le contexte actuel des événements qui se passent en Algérie et au sein de notre diaspora à travers le monde, par exemple, dans le contexte du débat sur la laïcité au Québec, où les Kabyles, qu'ils se disent algériens, nord-africains, musulmans, ou Kabyles, ils se sont mobilisés en grand nombre pour la charte de la laïcité. Donc c'est dans tout ce contexte-là que, conséquemment, nous pensons que ce serait plus pertinent de nous pencher sur le rôle que la Kabylie a joué et joue encore dans l'élaboration et la mise en place d'un état de droit dont la laïcité est un de ses piliers. La lutte de la Kabylie pour l'identité amazigh est intimement liée à sa lutte pour la laïcité, spécialement dans le contexte d'un pays où sévit une hégémonie religieuse, en l'occurrence l'arabo-islamisme,
qui ne sert qu'à légitimer un pouvoir illégitime et totalitaire. Du congrès de la Souma, en passant par le FFS, le MCD, le Printemps Berbère, Mato Brunes, le RCD, le Mouvement Citoyen des Arouches et le MAC, la laïcité s'est imposée comme une valeur catholique. Si la laïcité a accompagné le mouvement de la revendication MSIR et le mouvement pour la libération nationale, la révolution pour l'Algérie, alors si la laïcité a accompagné le mouvement de la revendication MSIR de Kadhimi d'une manière implicite, elle s'est explicitée au fur et à mesure qu'une politique de l'arabisation et de l'islamisation exclusive et ethnocidaire de l'Algérie s'intensifiait, et dont l'islamisme, qui a engendré la radicalisation de toute une génération d'Algériens, n'est qu'une conséquence logique. En effet, est-ce un hasard si c'est à la veille des exactions terroristes islamiques en 1989 que le principe de la laïcité fait son entrée explicite dans la vie politique d'un pays dit arabo-musulman, avec le RCD, faisant de la laïcité par le fait même une singularité kabyle dans le champ politique algérien, nord-africain et dans le monde dit arabo-musulman. Par ailleurs, quand on sait que, spontanément, une majorité écrasante de 94% de la population kabyle lors des élections municipales de 1990 et législative en 1991 a boycotté le Front islamique du salut, le FIS, nous sommes en droit de nous dire que cette laïcité que la Kabylie met de l'avant ne relève pas seulement de la militance politique. Elle est en fait l'expression d'une réalité sociale, spirituelle, culturelle plus profonde. Elle exprime une vision du monde. Est-ce que c'est ce que voulait dire Mato Brunes quand il disait « J'ai foi en ma culture ». Merci. Merci. Kira Fowell, président de la Wendt, et c'est l'une des choix de dire « Yannan Kalash » dans la cité par le pays. أنا ماذا عن طولة؟ أنا عندي سجاز سوى سيريس مسيو حسين فنك أدي ما أردي مسلاي غف أفنت كيوينيس أردي كوال غف إنسان في سميس دخدان بمنابع أخي درانيا في القطوة يتسلاي تساتيث بثلاغين بثلاغين لسل أولي الدنسة دغن سي سميس لسل واي C'est cassé. Agraou, et risque de combattre. Bonjour. Je suis Ninguém nos dá. É, passa um ponto. Mas, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não واسمها رد المقارة الثانية كايرا وعندي دورف نقول ذاك اللي خلو لي يقري ذاك الناس هذا مسأل مستسيد يعني أنا ما مش ذا شوي لن يوكنا ورقار ثلطة هذا الزاد وذا نسوك اللي خارع وأنا وليم ذا شوي جمال اللي يليه زكيا سخبايدي تعرف سخبايدي أنا رغاف مستسيد
Donc, je l'ai appelé rapport sociolinguistique et économique du renouvellement identitaire. Le renouvellement identitaire, c'est lequel ça a fait les gens qui ont fait les choses. Est-ce que ما سويناي ما سوينو الساكي تلحى يلحى والناي تلحى فيثي أم لورة الولا ما يلقى اليوم منو ونزرع الذي اليوم منو عند النظام في مزيف إذن نغورنا نبني تقضي لا ici c'est une invitation à la réflexion sur ce que je vais avancer comme information sur ce qu'on appelle l'industrie langagière. Et là, en 2014, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons البوليسي دوار من اللي في الزرب اللي ما لا تخمم غبنا الدم ما لا تستغل القرطة تيك عزت يزف في الزمالة تمنى الساقين بغان القرطة تنغى عزتها أمش ثمور تقبيلي أتكمل أكتب بوين ستة وروين على الساقين أتكمل أتأذي ومكانيس يبقى قرار ستة l'identité كبيرة أمازية كمان لكبيرة Il peut jouer un rôle de leader. Non seulement elle va jouer un rôle de leader, mais j'espère que demain la Kabylie va bénéficier des retombées d'une avancée identitaire, si avancée identitaire il y a. Donc, le marché de la langue, l'industrie langagière, c'est un secteur de services qui est créateur d'emplois, de richesses et d'influence. Créateur d'emplois des Libanais, on dit qu'il y a un chiffre. À Ottawa, à Montréal, il y a 6000 traducteurs. 6000 traducteurs. Le Québec. Et faites la maison vous-même avec la Kabylie. Au Québec, le Québec forme 80% de la capacité canadienne de traduction. 80% en logiciel et en humain, en ressources humaines. Où tu me serais là, où tu es même net de ligne. Montréal, c'est la capitale du jeu. Et lui, du jeu est accompagné de la langue. Elle est productrice d'influence. Et une philosophie derrière la langue. Il est que j'ai veillé à ce que le code civil soit accompagné d'un terme pour ça, de ses affaires. Okay. Donc, l'industrie langagière est portée sur trois secteurs essentiels. Les services linguistiques, la technologie de la langue et les services assimilés tels que l'enseignement de la langue. C'est ça les secteurs sur lesquels nous, les Kabylie, ou la Kabylie, doit se concentrer à l'avenir, quel que soit l'avenir politique. Quand on rentre dans le fédéralisme, que la Kabylie soit indépendante, que l'État reste tel qu'il est jacobin, qu'il, si la dimension identitaire commence, continue d'avancer plus vite qu'elle le fait en ce moment, la Kabylie va jouer un rôle de leadership dans ces trois secteurs et il est essentiel. J'ai déjà dit que si nous investissons dans la langue, c'est ça le secteur à venir. Hassim Saoud, dès le départ, et ça, vous avez dit tout ça là, mais oui. C'est une dimension essentielle. Yves West, il a fait Charon, nous et aux futures générations, et nous sommes dans une position essentielle. Par rapport à cette question-là, si l'identité amazigh continue d'avancer comme elle a avancé, en grande partie évidemment, comme vous savez, grâce à la Kabylie. Les services de technologie, les services de la technologie de la langue, en 2016, vous allez voir que les services linguistiques occupent une place essentielle.
Tout ce qui est service linguistique, c'est ce qui est lié au logiciel, c'est ce qui est lié à l'informatique, à la traduction, et elle occupe une place essentielle. Ensuite, la technologie de la langue, elle occupe smart de l'informatique, ça occupe 5,46%, et les humains occupent une place très petite. Cette dimension est essentielle. Ça veut dire qu'avec une population petite, on peut occuper l'ensemble du marché. Avec une population petite, on peut occuper l'ensemble du marché. Et le marché dont on parle, c'est un marché qui va de Siwa aux îles Canaries. C'est un marché potentiellement consommateur d'environ 100 millions de locuteurs. Potentiellement consommateur. Évidemment, l'ensemble dépend de l'avancée de la question identitaire. Même pour les données, l'Afrique est évidemment, je dis évidemment, joue un rôle mineur au niveau de l'industrie langagière. Et ce rôle, même mineur, il est il progresse. Il progresse. La fin d'Égypte de 4,2 à 4,9, 4,2 en 2007, avec une projection de 4,9 en 2020. Là aussi, on doit se poser des questions. Où doit se situer la Kabylie? Il est essentiel que la Kabylie se positionne. Elle se positionne grâce à des individualités militantes. Les individualités militantes, mais ce sont des individualités militantes. Il va falloir donc qu'on passe d'une dimension militante à une dimension professionnelle. Je vous montre ça pour vous dire que c'est ce n'est pas de l'impossible. 60% des acteurs principaux dans l'industrie de la langue sont des entreprises composées de 2 à 5%. Au niveau mondial, 65% sont composés de 2 à 5 personnes. Ça veut dire qu'autour de nous, nous pouvons, à quel délégué, constituer au moins une vingtaine d'entreprises. Dans le domaine linguistique, évidemment avec des leaders qui ont une avancée plus grande que nous dans le monde. Les conditions d'émergence de l'industrie langagière. Donc, le marché potentiel de la langue amazigh est environ 100 millions de Kaoumdenia. Les conditions d'émergence, c'est-à-dire des différents états, la démocratie qui consacre le droit linguistique individuel. Si nous arrivons à dire que le Nord-Africain, je veux être servi dans ma langue, c'est un droit, là, il devient un consommateur essentiel. Potentiel, il devient un consommateur essentiel du produit linguistique. Le deuxième point, une valeur marchande d'un macaronnier qui va faire passer la langue à Tchouval, c'est l'informatique, c'est le logiciel informatique. Il faut être capable d'exporter ce que nous avons développé, pas seulement du point de vue linguistique, mais du point de vue philosophique, du point de vue culturel et du point de vue des idées. Nous savons que nous avons une avancée, nous avons créé une avancée considérable dans le domaine de la pensée démocratique. Il va falloir la transmettre. Il va falloir la transmettre et la monnayer, pas la monnayer au sens
forcément du financer du théâtre, mais lui trouver une place. Et les signes avant couleur positive, l'officialisation, même symbolique et incomplète, le combat doit continuer. La prise de conscience identitaire à travers l'Afrique du Nord, c'est la tête de ce qu'il nous fait l'État. Et dans la diaspora, la preuve, c'est que nous sommes ici, où la nourriture est certainement guide à la promesse et la licence d'expertise pour l'introduction de mesures dans la technologie de l'information. Les obstacles, il y en a, ils sont très nombreux. Ma conclusion, elle est très simple. Le leadership de la Kabylie dans la résurgence identitaire Kabylie est essentiel. Le leadership linguistique dans la production littéraire culturelle est évident au sens large. Il est là. Maintenant, l'industrie langagière de demain sera-t-elle, excusez-moi, un secteur clé pour le développement économique de la Kabylie? Il faut que la Kabylie bénéficie de ce qu'elle a fait depuis plus d'un demi-siècle. Et évidemment, depuis des millénaires, avoir gardé la langue pour les autres. C'est le merci. Comment vous avez la conversation? Je vais en aller à vous, M. Mélan. Ok, Kamal Fides. Si ce n'est l'émotionnel de Snowden, de la biologie, une salle de l'air, une salle l'Ougama du Canada, le musée naturel de la nature. Alors, je vais vous dire, toutes les étapes d'élite, vous signez tous les technologies. أحسن بقولي بينا كرسي. أكيد ما أحسن بقول. نصب. أحسن بقولي بينا كرسي بتاع الماضي الماضي. أخطأ يفكر دماغ أمطار. يدخل بعيد ما يتنزل سوما تستدير أنا بعيد كم سن سياسة أمسي. إيه كني أستدي هذا أدوية بينا أمسي. نعم غير المحافظة بعيد نعم خلاص دي نووي. بينا بعيد سبعة. أستدي إذا تصدق التكنولوجيا السيدي ما تسوالين أي ديفون في هيرا بحاجة تسنى مين تغال ستسوي ولم يموت أسمح دبع الدكتور وكاقا برنديس دي هيكوس إذا دي نسوطر دارشيب أكني ما نخم سنين أكني من أقل واحد سوطر سوطر لزارشيب شكي عن سكرة تيرا إلا تدري بديكا سوط شكي عن تدري ممكن أكني بها البريح أخطأ مدى هدف بس خم سنين لين تقديم دون صوت الدا ستوكون تقديم إيه هي ماشي السيدي دابا زيد زبرت هي ريمانيس دابا يا حبايبي ولا غادي تسنى ولكن استقصي إيش السن بلا حد كاع ولدي ناس دورا كيف ناقص طاس كيرا طاس وخدم خاطر السيدي زبرت خدم تخدم سكتي وين لوكسيدا ما إلا خدمتي غا تخدم راس تخدم سكتي وين لوكسيدا كيما تشوف ما تقدر تخمم مصر في وين لوريون تمتشر إلا غتخمم سوا تاريخ قبايلي ولا سوا تاريخ مازال ديما تسلشي إيه ما كتبنا عندي كتصدي راه ماشي لا حنا ماشي اليوم هو هذا السيدي يمكن يسلو السيدي باش هو يتفكر في فرات لا معنى طمع كان هاد تفكر شرات في وين يسمى يعني مسقادش إذا سال وقت يشكي وصغيره سيدي تنسليك من الزمرة ديالي مانيس ستفنطازي قلنا تسميوين أندا تنجليزي إذا انت غنبنا ما هو هذا السيدي أتصور الدكتورة ما هو هذا السيدي هتصفهم أين يد يتسلونها إلا غتخلص تنجليزي أو ميدو تسادي ولا مش متسادي مثلا روسي بلا ولا صرفاني تسادي أمشى سيدي تبزيق تصنع أكلمين كما تصدع إلى اليوم يرى السلحة أسبق سيدي هم الدنيا ويا نارة أقوية ما يا نارة تبزيق يا سيدي تتبين بدون إذا تبدأ تشعر 61 مليون أصبير هي تتبين بدون سلام 60 مليون بعد السلف تتبين ولا كما تبزيق إذا أنا إيه يسكى السيدي المورد والمورد أسليني جاء ومبرو غدير دلكي كوني بدنيا أقليك هذا وماشي ذلك. ما قلت كان يعني أن شيء إمهزت قبل لغة ويفوليو.
كانوا ما دواني قسم زوين كي بداتو السنة هاد داير الزراب الودي زيك ما دام تامنا نسوي وقال ثاني يستعد داير دوميس دوميس لا ميثولوجي دوميس زيك كلش دابا اللي كيجي لهنا هاد الودي كانوا اللي مزورة يفو يوسف اللي مزورة كان طالس هاد الزراب التوريث كان طالس بيتاغور بلاطون على سويت اريستوت اشنو غادي ندير إما ولا نتيهمي الدليل ستة القرون الأخرى دينا عيسى أفون لوطخيا بدات تخمم من أمجاد الفرنسي في 1850 أم يوسف أم يوسف أم يوسف أم يوسف أم يوسف أدوسنا يا سوالي كتسي الدليل زيد دوسنا أنويدي مولانيس دوسنا أنويدي مولانيس كيميغا كيميغا سلسيات بالقاع هي اللي القرون الكلي اللي غادي يدخلوا عليه السؤالين تاع الناس الجريك الجريك سينما ذات مغالا نقول قارب سيريا سيريا اللي فيه هذيك السنين الناس اللي مقارب سوريا والعراق تهدا سيريا اغلبها سيريا اللي فيها شنو ولا اي غير خطا تمسلي تمسلي ماضي ما اي باش كاين ستار جبل نعاد ناخذ سير جريك سيريا وصول وخمنا راه حوايج خدم سيسيريا كتب بغني سلمان بغني سلمان في الفاد الفاد الأموية ومع السينما اللي نوع ميز العباسيين صدر بين المصيري نوع ميز العباسيين بدنا راجل حتى لعندن يوم ما تنسلط ولا سوريا سينما اللي سوريا تعرف دا أثر سلمي لزج مقدرة زيفا عرف تعرف تستحي زاد سيريا كل سيني درني لبغي يسرتي أعدل وعن تعرف لكي إني أمي بس هارون الرشيد الله صعب بدل المدول إني أسجيني أتسكرة أي مقال بيت الحكمة بلغزون بلا سحلس وما سيني مرني دار ثلاث ستارتشيبل سي سيريا سي درك أتعرف سي تعرف تعرف طفش حال الغرور للاتا إلا يتسكرم لكن إنه هذا الموت تعرف الدرش حال ثم تزيد تمثلين تسنى الحال مسان الحال سكوسن تعرف تغليب تغليب اسمي تغليب دي لندنوزي سينا عربي مهيد بين تسنى الجريك بنت اللاتينية سينا سبان سينا لندنوزي العربي إديجان الحير بشكل تمسمي الجريك أتوالك تسطر جمال تعرف سينا تسنى دوارة لاتينية جرب نسيت يمسيك جرب ويا يبين على بوليسيون سيانتيفيك جرب ولا تسنى دي لورا أبنى نسو تزاد جرب لاتينية خطر نقول لهم بغد ريالنا هذه السينا تسنى هي تبلا أنو مخار لهم قبولا دي نوبات فران كبريسي تفرسيس تطلياني ترماني تروسي تسكى مثل أخلا الوالد هي تمازيغ السيدين كي صبر ديال الهمالي ديال الواصل ولا ديال الكلي نقول لك سوا حقا تمازيغ باش لا اسواعي تمازيغ تبدا مغلقا سبيغا سوردو فليف زبال زبال سي با دير سي تو لونغ دو ريزيستونس ايميرني اشو غيشومبل اشو عجلنا ماشي يبدا نوتا مسلم عجلنا نقول لك ننتظر بشر ذاك عم كتقال فريد بس اللي لا تصير عليه بس اخذ راس الشوالي بلاد البلنا ونصرى ربي زيادة ما كاين إنسان بمعنى تصرف لا يمكن أما كيما تصرف الدار أما كيما تصرف لك سيستم دورغانيزاسيون سوسيال أوسي كومبليكي et aussi en plus qu'on a un appel de chine qui va venir là et je vais arriver à l'échelle de l'Italie de ça. Et les signes de l'année de la Zerdegui tout a un rôle de résistance. À ta place les défis de la Zerdegui, le retard, le problème, à ta place de l'Italie de إلا خرج مني بليون سينارا إلا خرج مني بكي مزيان ولا لا بليون سنوات وسنا باشوت تولا اسمي فرحت ميوسان تلمي داني تولا تيطيش داني دي صوفا يمي تاكيد تسنا القبايل إما زيان سوماتا بالحرشة مقدرة أستكي تولا كالقارب اللي قرد أهلا بوطانية كذا المقدرة في عودي أو تسكي اسمه وسنا زيان أهلا بوطانية أتسكي تسني معنا ألو هي السنة تمسني في الله على مزيان ماشي تسمي له في الله
لما عليه في قسم المعلم يعني جميع المعلمين السجن في عام الذي يرد الرزيات إلا أن الذي يحرش أتصدوا بزر فيه لا تصدوا c'est-à-dire sur une question, tu peux en faire une question politique, là on peut avancer beaucoup. Ça peut être une question technique, mais ça peut être aussi une question économique, absolument. Alors, Gandhi a parlé à quelqu'un de cette zwera, est-ce que si zwera sera ce désir, c'est qu'il a raté. Comme il dit, c'est zwera. Il y a quelqu'un des sérieux, le chef de l'Ouloubé de Hadran, a adouvera de ce qu'il a fait en 6, Goula, Goula, c'est américain, c'est américain, c'est tout ça. السري أماكن قارب بسوير أني حتى نيفو انترناسيونال يعني في ناس قريبين تمسير ماشي قريبين من بوليس المباراة تقريبين إيه يا مكة ما تنسى سيد تدر ما تنسى سيد سيدي كم سن بوليس المباراة فريق السكينة الغشي بدي كم زمان سيد جو تقولي كونفرنس دو نيفو انترناسيونال قريبين تمسير زمان صار قريبين زمان صار استلزم وتخش معانا يعني دي استقصين لتكنيك لو نيفو بريمير سكوندير يصير ما دي ما دي حتى دي لون بارد مختلف كل شو تفيها لا ليتراسي نيميراسي اتسمي لها تسيق صغار ليها وانت تسمي لها كيم سلينيكي كهنف كحوية استقريدي كحوية استلزم او جا كتاب وإذا يصير ما ستاقين نيفو بريمير سكوندير سمدي هذا لون سم هي طبعا اسكيل هكا اسكيل تسكيل سين نازوين سيتادير لو شيف ابون موا لو شيف هذا لو شيف غير ديال النيفوين عندها في مارشي طاح الحال ديال سوير ديال النيفو اونيفرسيتي دينا دينا اللي مارشي طاح اسوير ادرسان اسدا اسدا وان باردون تلاقي نسال ثلاثه يا عفوا سير لا برودكسيون سير لونسينيمون زمان غادي نخدم مع صاحب بزياد وزمان غادي ندير كلسا تجي تصوير السنوات اكزاكتو دونك فوالا دينا ديك دايير زمان غادي مزيان ماشي غير مزيان دايرين يعني مش انا اللغه الثانيه انا ونسي سينا لا تسمع من دوني وما ادري ماشي انا تمسك ما ادري انا تصل الشوفه هذيك انا هذيك راه قلت ماشي تمسك الكلمه هذيك الحاجه هي وسلمت وما تسلموا بلي تيوري لي بريسو سو كونسبيتيفيس لومانيزم سمعت ونسي هذا الشيء الو هذه ثلاثه اللي عندما كتقراو نيفو دو لا برودكسيون بوغ كان اسم الفول لي مي الى اتسلو الفول نعم بلك الزمرة الصغرى وصغيرة اللي كنت سألها ديك إذا ما زيادة الزمرة الصغرى ما عندها عندها لا برودكسيون أسولفو ماشي كي راهي تقرا شحال ما زيادة اللي قالت دوني دي سولفوية يا هكا دوك القيمة زعما من السنة من السن من الزمان تبي دوك الزمرة تسولفو ما زيادة الزمرة تسولفو سوايد نورمال خاطر لا سيونس على سو بروبر لونجاج على سا بروبر ديرونج مي بتاتر او نيفو دو لا بوبليكاسيون دو سوفا دو سيمو ني لا بوبليكاسيون دينا اشبار يا كاتورا تانجليزي تبدا لا لا معنى باش هذا تانجليزي تمازيغ تزمانات سيدي سي اون بو فولغاريزي او نيفو دونك سمع سي سوير ادنو دان سي تادير بوكولاريزي فولغاريزي لي كونيسونس تمازيغ تزمان لا با بروبليم الوغ دينا بغا انا تكفو وي بي تحتم في لنا داروس اتيسبدل Et maintenant, ici, tu vois, attends, c'est la seule je parle si long, quand même, y compris l'allemand, l'anglais, le français, les gens passent. Attends, c'est la seule chose. Et, mais il y a vraiment pas de la chose qui est, il y a une révolution qui est en train de se faire, non, et c'est de moi. Et j'espère que c'est une très bonne démarche, d'ailleurs, je vais mettre le micro. Et, t'as dit qu'il y a une fois, d'être un fou de chaleur,
فغادي نهضر هنا سو لو بلان تكنيك اسك تا مزيان تيجي لي مدرا وانت سيرياك سيرياك لونغ تري سامبل ايزون ترادوي لي زوغ بلاك تقبيلي سي تي لونغ دون فليكسيبيليتي انكوي افيك تي اون دي جيرا الجايه دونك كيلكو زيكزامبل سيمي يسمي تسيا على جينيتيك جامي غير غنكوري لي جينيتيك سمع اسكو سنار اي بي فنطوط تقرز ولا شي حاجه ولا شي حاجه يسكن لك اشنو النظام لا بيولوجي تدرسنت هذا اللي يعني مش تقبيلي حتى مزيان الساعه تزمى تبي ان سكر بوال الا انا محسوسا بوال تزمى تمسكو كل هذا السوفا اسمي غير هو يعني هذا دي دي وين هذا دوت ساعه ترى كي راول انديايا اما كان بوتانيك بلا ليتيراسي لا ليتيراسي هذا هو السكر بلد يبغوني غران يعني فهمتي لا يعني كعوري وين يغران اما الزياري غران يبدا يمسلا اسلو فهم ما يلس الى غيدي يلس بس ما تغرب الى يلس بس نعملوش بعض الله يبقيني C'est un peu politique, mais bon, évidemment, il y a des aspects techniques. Avec les micro-volumes, on a des délais, on a des délais, on a des délais. إلى إيريس أيتمنت وحسين أيتمنت. دائما ذاك اللي كان دا يذكر لي طبعا ليس حسوي باسم السعودية سي باتي أدي هو وين غاف وين أشلومس نغشلومس لوس فريق الماضي لا سونتراليزاسيون لا ديسونتراليزاسيون دون لا جيستيون دي ريجيون. Je ne parlais pas en ce moment quelques jours, quelques jours. Dans la région de France, à Londres et à Montréal. Yeah. Je voudrais être simple par rapport à la présentation précédente. Et je vais retourner beaucoup plus sur les planches de la politique, parce que la situation qu'on vit actuellement est assez extraordinaire. Je vous dis honnêtement, je ne pensais pas pourquoi la vie de mon vivant. Parce qu'il y a la jonction entre quelque chose qui a été déclenché en 1980, avec le vécu en 2001 et le mouvement citoyen d'aujourd'hui. Et voir à Oran des gens qui font, qui tiennent une minute de silence en l'honneur des martyrs de 2001, ou voir sur Facebook la page d'Agastoise avec un drapeau pervers, plein de groupes. C'est des choses que j'aurais jamais pensé vivre. Donc, je vais faire un peu retourner les mots d'ordre d'aujourd'hui du mouvement citoyen rejoignent les mots d'ordre du mouvement de 1980. Bon, cinquième mandat, on sait ce que c'est, on ne comprend pas. Mais quand on dit système dégage, qu'est-ce que veut dire le système? Pourquoi il doit dégager? Ce n'est pas seulement les trois pays de ceci, de cela, mais aussi. Le système n'est pas tombé du ciel.
ce n'est pas un don de la nature. C'est une construction qui a commencé, si on veut la situer exactement, en 1912, au moment de la conscription des Algériens musulmans pour aller faire la guerre 14-18. Donc, moi, ce que je veux faire ici, c'est identifier les quatre facteurs qui sont à la base de ce système et qui nous font comprendre pourquoi il est nécessaire qu'il change. Mais pour ce faire, il faut déjà commencer à situer le sujet. Je vais commencer par une citation. Paul Ricoeur disait que la mort de l'idéologie peut susciter dans un premier temps le découragement ou la démobilisation. C'est un phénomène superficiel et même factice. Nous attendons toujours quelque chose. Comme l'a dit le philosophe Kosselek, la conscience historique des individus ou des communautés repose sur un contraste entre un horizon d'attente dans lequel nous nous projetons et un espace d'expérience dans lequel nous nous trouvons enracinés. Nous avons tellement de projets inaccomplis derrière nous, tellement de promesses encore non tenues, que nous aurons de reconstruire un futur par la revivification de ces multiples approches. Par un paradoxe tout à fait étrange, les utopies les plus fortes ne peuvent venir que de ce qui a été inaccompli dans nos traditions et qui demeure comme une ressource de signification, une réserve de sens à partir de laquelle envisager l'utopie. L'utopie ne peut surgir à partir de rien. Elle ne saurait non plus dériver en droite ligne du passé, mais elle serait son force si elle n'était pas en complicité avec ce qui, dans ce passé multiple, n'est pas encore épuisé. En d'autres termes, nous avons tellement de promesses dans le passé qui n'ont pas été tenues qu'elles peuvent nous servir pour construire le futur. Et l'une d'entre elles a été dite par Mohamed Harbi, nous avons su être indépendants, mais nous n'avons pas su être neutres. Donc déjà, la liberté, c'est déjà quelque chose à acquérir. L'autre citation nous vient de Kierkegaard, c'est juste quelques jours avant Kierkegaard. Mais d'un côté, le système politique a occulté le fondement même de son existence et de sa légitimité. De l'autre côté, un mouvement politique qui se présente sous un vêtement religieux veut effacer une mémoire fausse pour la remplacer par une mémoire réelle. Une génération après l'indépendance, la société actuelle se redécouvre graduellement, s'aperçoit que ce clivage, est au bord de l'implosion. Elle se rend compte qu'aucune des questions fondamentales n'est résolue, notamment celle qui se rapporte à l'identité et à la place de l'Algérie dans le monde moderne. Il faudrait revenir au projet politique de ceux qui pouvaient avoir depuis l'indépendance et à la culture civique que cette pratique de la domination politique a littéralement fabriquée. Donc, ça donne un peu le ton. Si vous permettez avant de rentrer dans le sujet, je suis en train de le situer. Une troisième citation, cette fois-ci, elle est de Peter Piesi. En 1966, Yahya, le ministre de la Formation, lui a demandé à lui et à Mohamed Sierra de faire un supplément au journal de Tocque à l'époque. Et il s'appelait Le Chameau Prolétaire. Sierra faisait le dessin. Voilà ce qu'il dit dans ce. On raconte qu'il existe un malentendu constant entre le chameau et les autres. On affirme, par exemple, que le chameau ne comprend rien aux institutions.
Mais on se contente de lui répondre, c'est comme ça. Avec le plan. Si bien que chaque fois qu'il prend maintenant une décision inconsciente, comme le plus bon, quand on lui demande des explications, il répond avec le plan. En affirmant encore que moi, chameau, je donne le mal de mer. Mais jamais de mémoire de chameau, on ne s'est plaint d'un voyage chez le monde. Il conclut, ayant pris la révolution pour une course contre la montre, il se croit arrivé et n'admet pas qu'on les dépasse. Le courant qui les porte leur fait peur à présent. Mais ils veulent emporter le monde en leur revanche. Pour revenir au fondement de notre système, j'avais quatre petites qui me souviennent tout. Celle-là, c'est la seconde. Le plan, je vous demande, puisque j'ai mis sur le diapositive, et puis il n'y a pas moyen de les mettre en place. Alors, on sait d'abord l'écriture, la culture, l'enseignement, l'orthodoxie, l'État, l'écriture, la culture, savante, l'orthodoxie. Unifié. J'appuie sur le bouton vert en bleu en haut. Voilà. Celle-là. Imaginez sur la même ligne. Ici, société sédimentaire, oralité, culture de la République. Sur la même ligne, et des flèches qui descendent verticalement. C'est-à-dire une domination. Donc, par l'histoire, il y a. C'est Mohamed Alcott qui développe ça. Le premier facteur, c'est la tradition islamique classique. Cette tradition islamique classique a produit une opposition entre deux solidarités fonctionnelles des puissances. Alors, les puissances d'en haut, l'État, l'écriture, la langue et l'orthodoxie, et en bas, les sociétés communautaires, l'oralité, la culture. Tout de suite, vous comprenez que ici, c'est la société d'en haut, ici, c'est celle d'en bas. En haut, c'est la ville, en bas, c'est la montagne. Ici, on est fils de quelqu'un, fils de quelque part, au niveau des valeurs. En haut, on est fils de personne, on est fils de nulle part. On est un fonctionnaire, un policier, un truc. Alors que dans le village, on est. Madame m'avait dit son nom tout de suite, je voyais, tout à l'endroit, donc on est fils de quelqu'un, fils de quelque part. Alors, ça, c'est la tradition islamique qui impose. Et bien sûr, les puissances d'en haut veulent détruire les puissances d'en bas. Quand elles n'arrivent pas, elles cherchent à les réduire au rang de substrat. C'est ce qui explique un petit peu, par exemple, quand le mouvement social revendique la reconnaissance de Tamazight, on va reconnaître la langue Tamazight, mais à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas la langue de l'État, elle dépendra d'une commission qui, sous le président, et tout le président qui va se parler. Alors, maintenant, le deuxième facteur que vous entendez souvent, mais peut-être parfois vous n'avez pas expliqué, c'est le jacobinisme, ce que j'appelle le jacobinisme d'importation. Alors, vous voyez comment elle change. C'est-à-dire que l'État domine tout. Et dans la charte nationale, c'est même exprimé de façon truc, l'organisme, mais à l'image du cerveau du cœur qui rigue juste à l'extrême limite. Alors, il faut que tout, il contrôle tout. D'où mes notions de concentration, centralisation, décentralisation, etc. Donc c'est Alger qui contrôle tout. Le troisième facteur, et vous le savez très bien, c'est août 57. Le CNRA, le renversement. Des principes de politique sur les militaires et de l'intérieur sur l'extérieur. Depuis ce temps-là, ce n'est plus les institutions, mais le fameux truc, le triptyque, Sahab al-Hif, Sahab al-Hif, Sahab al-Hif ou Sahab al-Sif. C'est ça la relation entre les gens et les clans provisoires. Oui. Désolé. Donc, Sahab al-Hif, Sahab al-Hif ou Sahab al-Sif, nous en subissons encore. Et les institutions sont là juste pour la galère. Alain Lumines, ils servent à rien.
Et c'est après le 22 que les gens découvrent la Constitution, l'article 7 en particulier, le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je me pose encore la question, comment ça se fait qu'un Conseil constitutionnel et une Cour suprême? Bizarre. Vous avez une assemblée populaire de Bulaga, qui est un organe décentralisé, donc censé avoir une prise de décision, et un Wali, qui est un organe déconcentré, qui représente l'État, le ministère de l'Intérieur. Les décisions sont prises. On va parler de tout ça pendant le débat, j'espère. Et le quatrième facteur, et c'est là que ça va être, vous avez dû peut-être avoir même des projets par rapport à ça, c'est l'émergence de l'armée et de la police politique comme force hégémonique sur la société. On le vit aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Donc, c'est en partant de ces valeurs, de ces facteurs, pardon, que j'envisage ce qui doit venir pour ne serait-ce que pour être libre, comme on l'a dit. Voilà. إذ ما زال في ثمور من الزائر لوانزا وقراوة السنة المحكمة لون Je préfère faire mon intervention en français pour éviter d'utiliser deux langues en même temps où on risque de s'adresser à un public qui est un peu qui risque de déterminer. Donc je préfère utiliser dans le français. Alors, mon intervention évoque la question des références, ou plus précisément des référents, et quel système de gouvernance pour se baser dans un cadre de l'ingénierie plurielle et comprendre le cadre de la plateforme nationale. C'est-à-dire comme résolution, au point de départ, pour essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion qui peut être utile pour notre plan. Pour commencer, on a tendance à dire que la langue est seulement un moyen de communication, ce qui est totalement faux, parce que toute langue, c'est vrai, il sert comme moyen de communication, mais il traduit toute une vision du monde, d'une idéologie, et c'est pour cela que mon système actuel, c'est-à-dire, ne peut pas avoir sa place parce qu'il est relié par rapport à la nature de l'État actuellement. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance dans notre système de gouvernance pour que c'est-à-dire puisse avoir sa place. Et d'ailleurs, si on part à partir de la Constitution actuelle, c'est-à-dire n'est pas une langue officielle parce qu'il est réservé seulement à la langue arabe, là aussi dit clairement que la langue arabe est langue officielle de l'État. Donc, c'est-à-dire n'est pas officielle, c'est juste une ruse du pouvoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est initié dans ces questions linguistiques. Il suffit juste que le simple citoyen lise le caractère officiel et vont croire que Fénazière est officiel. Donc Fénazière Fénès, c'est le statut qu'on appelle, pour ceux qui ont fait la linguistique et sociolinguistique, on parle de bilinguisme négocié. C'est-à-dire de pouvoir reconnaître de langue, mais ce n'est pas une reconnaissance
réellement sérieux. Donc, il a placé la bombe haram toujours au premier degré, au stade, et Tanazir, il est placé au-dessus. Moi, mon interrogation, donc la question qui se pose par rapport à la situation actuelle, pour que puisse Tanazir exister et évoluer en tant que système de référence, il faut un système qui véhicule un certain nombre de valeurs. On a parlé tout à l'heure de valeurs de laïcité, ou d'autres valeurs, de démocratie, de tout ce qui compte, justice, sociale, etc. Il y a quand même, nous avons une certaine référence historique, telle que le Congrès national, on peut tirer ainsi, par rapport à son esprit, parce que le texte est un peu plus en relation avec le contexte de la révolution, mais on peut tirer des éléments qui nous intéressent pour aujourd'hui. Donc, il y a d'abord le caractère républicain et démocratique et social, parce qu'à l'époque, il y a aussi le débat pour la question, certains qui veulent y aller vers proposer un État théocratique ou un État religieux. Donc, le Congrès national a tranché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les promoteurs de l'Algérie arabo-islamique, il se limite à la référence de la déclaration du 1er novembre, ce n'est pas produit, c'est pour un petit peu manipulé. Cette référence aux valeurs de l'islam, ce n'est pas par rapport aux lois, parce qu'il y a des concepts qui sont importants, il faut faire une nuance entre valeurs et lois, c'est différent. Le Congrès national a tranché, c'est pour ça que les islamistes, les arabes islamistes, et même le pouvoir actuel, ils occultent à chaque fois. Faire référence au Congrès national, c'est par rapport à ces choses-là. Donc, il y a pas mal de résolutions au niveau du Congrès national qu'on peut faire. Et moi, ce qui m'intéresse ici plus, en dehors de ce que vous connaissez, comme la prévôté du civil militaire, etc., mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des résolutions où on a tranché par rapport à la question de répartition de la révolution d'organisation par rapport aux régions. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette division, cette répartition des territoires selon une logique naturelle, selon l'aspect linguistique, sociologique, historique, etc., civilisationnel, les congressistes ont réparti par rapport à ces paramètres. Donc on peut s'inspirer au point de départ par rapport à ces régions pour y aller vers notre système. Et on peut être assez plus en place, on ne peut pas continuer dans un système d'État-nation, il fallait y aller vers État-région où on va décentraliser le pouvoir, donner plus de pouvoir aux régions et après, il peut y avoir un débat sur les concepts, que ce soit ce qui propose le fédéralisme ou le système d'autonomie régionale ou régionalisation modulable, ça se discute, mais ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines formes, il y a différentes formes de fédéralisme, différentes formes d'autonomie régionale ou différentes formes de régionalisation. Ce qui est important, c'est le contenu de chaque concept. Parce qu'il y a des autonomies régionales qui sont plus avancées, plus développées, là où on aura plus de pouvoir, que de certaines formes de fédéralisme. Donc, ce qui est important, il faut faire attention, c'est le contenu qui compte. Le pouvoir peut y aller, essayer de donner certains pouvoirs aux régions, mais dans sa conception, et je suis tout à fait d'accord sur mon sujet, surtout ce qui est important, c'est la récupération de la question de gestion de l'éducation. Parce que c'est dans l'école qu'on va y aller réaliser un idéal. Donc si nous avons un idéal, c'est à l'école qu'on peut réaliser, pas dans un autre espace, parce que c'est une génération. Donc, le pouvoir, malheureusement, il peut y aller décentraliser, essayer d'un petit peu de donner certains pouvoirs, il peut se limiter à l'aspect économique, mais je ne pense pas, vu la nature du pouvoir actuel, parce qu'il y a une véritable force de pression pour pouvoir qu'on puisse récupérer l'éducation, par rapport bien sûr à l'académie. Et c'est pour ça même, je suis convaincu, que le pouvoir il résiste, c'est parce qu'il ne peut pas céder sur la question d'une éducation. Parce que si tu récupères l'éducation, tu récupères tout. Et je suis convaincu, même les autres régions, ceux qui soient des hommes militants pour l'arabo-islamisme, et si la Kabylie arrive à s'imposer
avec un système éducatif performant, ouvert sur l'universalité, il ne pouvait pas vraiment y aller vers un système performant, cela veut dire même les autres régions, ils vont faire tout pour venir, que ce soit s'installer en Kabylie, et y avoir au même temps la contagion que certaines régions puissent un petit peu calquer ce système de la Kabylie, mais ce n'est pas évident que le pouvoir va laisser ce genre de contagion. Et d'ailleurs, actuellement, vu le mouvement, c'est que le pouvoir est surpris parce que justement, qu'on le voulait non, c'est au niveau de la Kabylie qu'il y a eu ce genre de combat. Donc, moi, ce que je voulais juste souligner pour un petit peu terminer et conclure, c'est que pour la question de l'euthanasie, avec ces différentes formalités, moi personnellement, lorsqu'on en discute, ils me disent que c'est pour enseigner le Kabyle ou le Tchadoui, ou je ne sais pas, ou chaque région, préfère parler de ces langues-là au lieu de l'euthanasie, je pense qu'il pourrait y avoir un consensus à partir de la proposition de ce que certains journalistes évoquent par rapport à la question de la polymonie. Donc, l'euthanasie pourrait être enseignée par rapport à ces différentes variétés, chacun dans son territoire naturel, même si on va parler de l'euthanasie avec ces différentes variétés, et avec le système de polymonie, on peut écarter cette question-là de division et de manipulation de la part du pouvoir. Si vous avez remarqué, les interventions du pouvoir, à chaque fois, elles essaient de manipuler pour retarder la question de l'euthanasie en essayant d'évoquer ces questions de division. Donc je pense que la polymonie peut régler cette question-là graduellement. On peut avoir ces langues-là, travailler au même état, étudier sur le terrain, mais en même temps, il faut aussi que les défenseurs de l'enseignement des langues bien séparées, qu'ils pensent aussi qu'avec le temps, on peut construire une langue de convergence, on peut avoir une langue véhiculaire d'italien. C'est-à-dire, même si on va avoir des langues parlées, mais on pourrait construire à long terme une langue véhiculaire où tous les italiens puissent s'exprimer avec italien. Donc, pour conclure dernièrement, si je peux le dire, moi personnellement, je ne conçois pas dans la situation actuelle, si on va y aller, on va passer un système par un autre, si on ne remet pas en cause le système jacobin centralisateur où tout est décidé d'Alger. Donc je pense que c'est la solution qui pourrait même faire un consensus au niveau même de la Kabylie, étant donné qu'il y a l'idée qui se dégage que la Kabylie défend le fédéralisme autant que régional, ça c'est évident, mais aussi d'autres qui défendent le projet d'indépendance, mais je pense que ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Je vous remercie. Ça arrive. نحن كنا كنا مسلاية قاعد في مسلاية في الدرس كلش أنا عندي نفس مسلا مليون سنة سنة كريم عشر يسليس دكتور يسليس سميلس داعي لما لأن على فكرة إن دوت نايت صغيرة دي جيبيكا إنسان جوايا مع مسلاية رف طبعاً يوم يواني كبيرة إيه مش من دوت لأن دوت نايت إن كيد دي درس كمان ولا أزول زين في الأونت أزول في الأونت. أنشتغل يا عزيز ما من النفيد صامت للنسيسية لأن إذا كبير سرعة وعسر للنام إلى نقطة كبيرة. من النفيد يجيل صامت للكاستريف. طبعاً جيت نوين شقيرة بس نقول ذلك في كيف يلصقيني. فلينا عندي كبيرة. أنا نفهم من مريم كشوف عندي. نوكي نزلي على الصقرين. تجي تصلي زيادة. نزلي على الصقرين. الصقرين. أشي من قلقة نسكر يون ونش النتا. ونش يوكينا تسيدير تزلي الصقرين. ما لب نسكر أنا كتاب غرينو. ما لب نسكر أنا.
أولي ليطا عقبيلية والسيديرات قبيلية قبيلية ظلام ماشي كانت سوثلايس يكون من سوثلايس كان أعطم كثيرا في الناس أكين وث في الناس سوكسين نشفا أن كث في الناس حتى أرتكي لعدي مين ده شوية أثنان وجد المنقى عربا يمسن طرق في ثلاثة سن ورزان أنا لما زغني لان أرمي تسولة مكان عرب أركان أركان القوايو ثم بغانا هذا الدين المغلين سن يفقنا عاد وقيلين يقول لي ماشي العرب من فني كيزولة لما زغ ما نسكوت عربنا أنا نعتسرون يفقنا كل العرب يوجد دوني ثاني عمرون لما سلم دوني فيها مع الضعين زمان ثاني ذي ثناش عفا نزمان نرجو يمي يوجد دوني ثاني نزمان ثاني ذي عرجو ولاش لاش تجد بوين تمغلية كيا نكينيا ما نقول فنفضة فنفضة نقا لكوية رمانس لان ثلاثة اصناف صنفة مزوالو لتجربة أوليك ألمس سوسمان أوليك ألمس سوان دولت مليون ديالي غالي ما صدد كنسا أردينا شو يبعد نخدم وقيد عند دواكيين متزايل سكسبي إثرا أول هوسي ما يدنا ثلاث وغذوث سوسمان كثيري حالي كثيرا هذا سنعنو ثوغذوث أنشتكي إلا لفرنسا وانا نظر فرنسا في الجزائر كيف نسن تمعني نسن في ثلاثين لتجاكوبات فرنسي à une haine viscérale de toutes les autres langues régionales. Et pratiquement tous les citoyens français formés à l'école française défendent ce point de vue. Ce point de vue-là, l'endoctrinement algérien et l'endoctrinement à l'école vis-à-vis des langues régionales sont les mêmes. Je dis, voilà, c'est quand on parle de la fédéralisme, le système fédéral, شيء اللي فات مسيح عشان خيا، يقول دويا في مونت لندي بونس. ثم قال الجعبة جد في العك كبير، هذه مية سنة على الصوغن، ده شو مية فصل، اسمه في لسان ليميت. اللي تصور خطر ده ده عارف بس. يعني بن نويث نويث ياك وزمان سيدي القبيلي تكيا وانشيكي جلاني كيكيتور. Mais il y a des gens qui sont en train de faire ça, qui sont en train de faire ça, et qui sont les Occitans, les Corses, donc les Occitans, l'Occitanie, les Corses, les Bretons, les Basques, les Catalans, c'est en Espagne, etc. Hein, les Picards, à travers les langues régionales de France, qui fait cette trébellie, c'est la halle du Fidda. Qui fait cette trébellie? Je suis une semaine dernière, une semaine dernière, la démocratie, maintenant, c'est tout, vous savez, il y a eu un chéri qui est là, tout le monde dit c'est où il y a chemin. Tout là, le fédéralisme, c'est intéressant. Alors, on va parler de le fédéralisme des clans. Le fédéralisme garantit. D'abord, une mobilité démographique. Il y a une statistique, la démo-linguistique, c'est-à-dire la démographie des locuteurs dans un espace géographique. Nous voyons bien, au Canada, l'une des provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard. Si 2001 à 2016, les locuteurs francophones dans ces provinces ont diminué, dans toutes ces provinces, les francophones ont diminué. Moins de 2,6% au Nouveau-Brunswick. Moins 14,8% en Nouvelle-Écosse. 18% de locuteurs ont disparu. Ils ont perdu la langue. Et l'île du Prince-Édouard, c'est moins 12,6.
Aïra. Khatar, le système fédéral garantit la mobilité géographique. Un vin, ils m'ont dit, alors si il y a un guillemets, on va le dire, mais la moitié de l'histoire, c'est la moitié de l'histoire, c'est la moitié de l'histoire. Il y a une mêlée, c'est la nouvelle Écosse, et alors en Colombie-Britannique. Il y a une mêlée, on a un francophone en nouvelle Écosse. بنا من كتاب توجد ذي ومي فرح تثلاث من سنة خطر وتلمير مثل النار ده شو كي قولان قولان تد بعمال لينيع لقي لي بروفانس سانتا وان كينسنت اوانيك لا لوا 101 au Québec il a fallu une clause de non-obstance pour qu'elle passe à ERA parce qu'il y a aussi d'autres chartes la charte des droits de la personne, qui garantit à un peuple l'égalité d'être traité de la même manière et d'avoir accès aux services. La clause de non-obstance au Québec, la loi 101, c'est que c'est la loi de la démocratie, c'est la déclinité. Alors là, on dit général, on dit que سكمير ماذا هو في جرار الوقت؟ أنا النوم في جرار اللي يأتي الوقت اللي يأتي هذا الدين ما هو في جرار سيد زمر في النار يعني هو في جرار نسي كثير من النار يوكل أن يكون يوم سوي فارس دال أدنى سينا الفير ويومي دونك في فارثينس سكمير من الدنيا في فارثينس c'est l'indépendance, ça ira. Seul un État souverain, le mot souverain, même ça c'est l'indépendance, seul un État souverain peut garantir la survie d'une langue émise de l'indépendance. Le chicken, ce n'est pas une langue, c'est aussi une identité. Dans un système fédéral qui va garantir la mobilité des citoyens, est-ce qu'il y a plus bien la CICS, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, quand tu gagnes des centaines, des milliers d'investisseurs en Kabylie, des investisseurs à qui ne connaissent la condition pour avoir un emploi, il faut maîtriser la langue arabe. Tout le monde va se mettre à apprendre la langue arabe. Un système fédéral ne peut pas empêcher cette mobilité humaine et cette mobilité financière. Seule la souveraineté peut le garantir tellement. الزوج الاول كان ولاد بدو غير هذا الدينير واللي غير هذا المسلم ديال الاسلام بلقديش خدمه سليماني وسحمله القبيلي الحماله الطوريه تبليسه عند الشطار ديال ياسر فيا باش كزري ولا اللي داك راه يبان ديك المسنيه تكرف من بلا داكينا ودغا قليل زفاف الماء كمثال اللي كان دي سبيسياليست يشبه تولايت كمال كريم دويه الضمان أتولي بدك يمسلايا بدك تخدمها بس كل شغوال تقبيليت أشكو بيد بيسن تقبيليت دماغت منو بدي سبكيتي ديونو بدياز ودم يالو يمي روحا غلي بدي غل مروك دماغت غريف وفيه في مغارا انت دعم يسفيغ أدلي سن تقبيليت وزي في مالا إن دبني ذي مزيغن ما نيال إيوان إلا قد يمي بكاشي ميمس كم تقبيليت قدرك كمك ذا مزيغ الموية الأطلس ولم يقبل ولم يعقل ولم يحمل ونزل نور الشغلي ظاهر ظاهر
بلد ينورا النظام يشبه سلزانيا لين داكوداش وسينوني دويا بغالين داكوداش تنقض تمزوالو في كوران ونكاس قبيلي فونتيستيا يعني مثلت ديه يلويس يف كيسا خليفة زنجالن توليزين تمزغونين ناغض لابون ديسيني بيدلسن إديوين أمينوث دبوانار أسخلان انتقبالي Les gens littéraires, à cause de ça, grâce à cette technique Mouhia, comme un Tamskout, la Hadjira, ou Bachir, il est d'avant pour l'Amara, et qu'il y ait un oubli d'un gars qui se lève à fond de l'eau et Mazera. Il est d'avant la bande dessinée. Elle est de souhait, ça va aller pour ce primaire à quel de Kthira, ou un galin, tout l'isine. يتسنوفن إيماولان نسن سرين تسقبيلي مشالا المنقلن تسيحلا تقرغلنت يتسوسقلن غرف قبيلي تقال ورقلنا كيا خالي جبران إدي سوفا وإدي الرا غرف قبيلي حسينوني يك أنا أسنان إيماولان وزيان سوف لا يمكن أن تدير في حواج الإنسان وفي حواج الطاسة جرونت في حواج الأغنية أموالا ضغى نوفاند أموالا كالويث لدغى لداليس خدمنا الطاس إلى أموال تمسيطة فرانك وراء تلمونة في معمار ضغى موالا كينا تسيس خدمنا زيكيني لكم أطاق بسين شفت نفس ليلة كنس قداش سنيك نتوفير باش لا ندنيني بلية تقبلي تقول لك مش تزمرة كانت تدير صغر باز مع تدير تحواج طاس كل النظام يشبه الراديو في الزرير يجعل لنا ذوين النظام وكشفة غرفة كل مولاني سنين دشو دان غلا سنين دشو دارميس لما تنتنيا كلية سيمس لينا كيس قداشن يسجر لنا ديز أليماتور يتخدمن دي لون النيا سوف سنتني دقما ولكيا دان مولود لديفي نتسكلا تقريبا أنا رمز ورمز سلا يبدود دقربية متوشوت إكس المدن تثليت إكس ربي ستوشوها سيسفرا ستوسع راق بورن ستثليت خطر سفرا كفور من إكس مستخدشارة تقبيلي دبخان من قسم اللوكيتور من الهيتي مسلين بغا ولدي لريكش من اللي كله تقنى للجهد قارن تمسلين تميغس سكوت سخدامة سكوت الهيتيين الكشو الصغرباز يسون بكثيرية ذا سغزف تكسل مدن التوثلاي سو شطوس بوسع غافيرة وغا أدي المدن مسلاي مانا ستيماوي للكوخان أما بالغريم كشم صغرباز نزوالو أدي كمان وكنا دي أدي عدي غافيرة سمسلايكيس ذا غرباز أليبي تقصى يغفر ثبت ثمالي ديدانتيتي من الماس لقديش نسيكلا الشو مسكلا الداخل مام تمغلي غفو ذر القبتي داو في الوغرف في اسم التيني ناس تدير داخل يالتي دي بوب ان كيكتي دير اسم التيس داخل مام دان كيكتي دير دان تفلحو يبت مغلس تزرع في الاتيود من الليسن مشاعر بالسكلا تقرالنت أدلين ذنبيا إسرع الصين إلى المدن تكلمسن تسكيلات لغن إلا قد نسعو إلا قد أن الشم يمنطق نظم تمسني لتسكيلة تقرالنت أنغار غف ليز غون سوف ليترات إوا كنا نسعو تمغلي دشو تسكيلة إكبدن دشو تسكيلة إكجهدن إوا كنا نبيو فلاس دينا لقديش أسكلان في السداويين ذوين راديادون أفو في الجهد إكسوفوغن إكسوفتيا من السكلة تقبيلي أي شدة لا ليسانس لا ميتريز دكتورا أسنرية ذوارزن من السكلة راديادون أفو ذي إكسوفو ذكوحريش انتيرا سوفوس انتلت انتدوك ليوين ترسالين على الاستيتيوشن ببلي يسون في داران أتار أمكان بفرمسا لأفاس إكريت إلكترونيك de l'audiovisuel, les nouvelles technologies, Google, Firefox, Common Voice, etc. Bref, voilà, on a fait une Google, il y a quelqu'un, il faut faire une opinion, on a dit, les langues minoritaires, il y a quelqu'un,
فقدش تودج الصواب ديال القران الانسان انا دابا غادي نعدي نهار فيرا يوطن التيك حدود هذا استفكر استفكر من شانس ولكن ادي ديرت دارنيا الا الا قد مني تمسلي الا الامبرياليزم كولتوريل اكن يبغوا يديروا لا دومينونس ونيتي تاوين دوين وتجهد تمسلي نشد الدكوار ونشاكينا بغا c'est-à-dire qu'il ne produit pas le culturel, qui ne génère pas de produits culturels, les chaînes audiovisuelles, la télé, l'informatique, la presse, voilà, ou ce qui est là. La langue, elle incarne une vision du monde, ça veut dire qu'elle véhicule un savoir, donc elle doit générer des produits culturels. C'est un ensemble de personnes qui vivent sur le même territoire et ils ont une langue commune et ils ont une culture commune. Voilà, donc pour moi, la Kabylie, c'est un, le Kabyle, c'est le peuple du Kabyle. Voilà, je suis un peu heureux. Vraiment, d'ailleurs, comme quoi, avant qu'on soit dans l'Algérie, avant 1857, la Kabylie, elle était souveraine, donc elle était indépendante, elle n'était pas annexée à l'Algérie. Donc la Kabylie a été annexée suite à l'Algérie française. D'ailleurs, ce n'est même pas l'Algérie actuelle, parce qu'on l'appelait Algérie française. C'était à la création, c'était en 1839, on l'avait dit plusieurs fois, le général Schneider, donc une secte. Ils ont créé l'Algérie, qu'on appelait actuellement l'Algérie, donc c'était l'Algérie française. Et en 1857, donc la Kabylie, elle avait perdu la guerre d'Inoubekaran et la guerre de Chavéran dans la famine soumère, donc il est là qu'on avait perdu notre souveraineté. Donc si je parle de ce principe, et à ce moment-là, évidemment, il y a eu d'autres révoltes, effectivement, à Matsigan, le Paranir, l'Étoile africaine, etc. Donc je vais passer par là. Comme quoi, pourquoi, à partir de 1962, parce qu'on avait cru, on avait donné, des autres peuples qui viennent d'Algérie. Donc, c'était la France qui nous a annexés, ils ont créé un autre, bon, un pays, un territoire. Donc, tout le monde est français, on en est un souffleur, parce que les Français ont fait le lien, le fatal à tasse à tasse, surtout l'affaire de 1871, il avait déporté Achal de l'Indan, qui route Achal d'Indan, donc il fait le lien. Plusieurs fois, il a fait de nous un génocide. Et maintenant, normalement, est-ce que la télé, la Kabylie indépendante, on doit attaquer les Français justement à ce génocide de l'Ikhadam, un mec qui est l'Arménie, elle est en train de faire un travail contre les Turcs. Voilà, donc, on va. Donc, ce qu'il a dit, c'est
finalement, à partir de 62, je suis d'Iran, et d'ailleurs, Machine de Makiti Dinan, Machine Fahati Mazeni Mounari Dinan, le Mouhia. Et à l'époque, le Mak n'existait pas. Il n'a dit Mouhia, il n'est pas français, je suis même de Zahir. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nous sommes pas en train de nous faire depuis. Voilà. Donc, pourquoi on veut se séparer justement les arguments? Pourquoi on veut être indépendant? Pourquoi nous voulons notre propre État? Parce que chaque peuple, mon Israël, est un pays, mon Israël, son État, dans la langue, dans la culture, une entité du Ramadan, c'est voué à la disparition. Donc, couche des rocs, couche des rêves. Et alors, les causes suivantes sont à la base de la revendication de l'indépendance de la Kabylie. L'Algérie coloniale pratique indénique, linguistique et culturelle sur la Kabylie en interdisant sa langue, en censurant ses artistes. Et maintenant, nous connaissons des artistes montréalais, nous connaissons avant ses détails. Absolument, c'est un exemple. Donc, il faut essayer. Il y a un peu de monde qui se fait, qui est le dernier grand-là, avant ses détails. La Harkin, voilà. Alors, ils dévalorisent ces produits culturels et encourageant et imposant la culture arabo-musulmane. L'Algérie coloniale veut assimiler de force la Kabylie par son mépris de la langue kabyle, l'arabisation de l'école kabyle, la salafisation de la jeunesse kabyle, la multiplication des mosquées et instituts islamiques, l'obligation d'observer le culte musulman, la répression des Kabyles de voix autre que musulmane, l'implantation des cités arabes, c'est important, l'implantation des cités arabes dans diverses villes kabyles, dans le but de diminuer, faire disparaître la langue kabyle et la culture kabyle. L'Algérie coloniale a instauré un climat d'insécurité inégalé. Ses forces de sécurité répriment et dans le sol les Kabyles au lieu de les protéger. L'histoire de 2001, maintenant, il ne faut pas qu'on l'oublie. 120 jeunes, 127 jeunes d'Arnran et il y avait Kamel Hichan, l'image prime, c'est un monsieur Gourin, c'est le dire. Donc il a affilié, il fait qu'il y a un bon émane. Alors, orchestre des enlèvements, des kidnappings, ils veulent nous affamer. Ils veulent nous affamer, donc ils ont fait ils orchestrent des enlèvements, des kidnappings d'industriels ou de leurs proches afin de soutirer de l'argent et décourager toute personne ayant l'intention d'investir, voire de s'installer en Kabylie. Maintient un terrorisme résiduel alors que les autres régions vivent dans la paix. L'Algérie coloniale a mis en place un système efficace afin d'anéantir l'économie de la Kabylie. Ce système consiste entre autres en une imposition drastique de ses commerçants, une absence totale d'investissement, et ce dans tous les secteurs, à l'exception de la construction des prisons, des mosquées et de casernes militaires, afin de surveiller et réprimer la population kabyle. Akawin, Asegi, Boussin, Yiwan, militant à la vie de la Axel Blabas, il est militant du Max, c'est lui qui est alors, c'est lui le responsable de l'équipe nationale kabyle. Donc il est entre les mains de nos colons, de notre colonisateur. Alors il y a un autre point à être maintenant, c'est un autre point. Mahouadam, depuis 62, à chaque fois que les Kabyles sont sortis, donc on essaie de sortir en dehors du pays Kabyle pour brasser plus large, la Kabylie, on est sorti toujours affaibli, toujours dans ça. Octobre 63, Zarak de Chouidan, une fraude pour avoir, pour un État démocratique, l'histoire de l'FFS, on va déjà la Tremel, souffrant d'un problème des frontières avec le Maroc. Donc la Kabylie elle a perdu donc, ce niveau-là. Voilà. Il y a eu octobre 88, des organisations politiques kabyles, Amel FFS, Amel VSDD, ils parcouraient toute l'Algérie pour semer la démocratie, la laïcité, la modernité, la tolérance. Parce qu'on est dans nos gènes, on est tolérant, on est laïque, on est démocrate. Mais 30 ans après, les démarcations des programmes politiques d'un ordre et ceux d'en face, arabes ou islamiques, se sont quelque peu accommodés mutuellement
pour se retrouver dans des coalitions qui laissent un goût amer à la base militante de Kabylie. Et il y a maintenant des chutes des primes de l'RFS, les chutes des primes de l'RCD. Pour lesquelles ils soient dire l'RFS ou l'RCD comme des partis normaux, comme Amelef, l'RND, l'RFD, je ne sais pas. Ça veut dire à chaque fois, un an, on a dit qu'on a dit qu'on a toujours la saïe maintenant. Pendant ce temps, l'élite kabyle nationalisée est neutralisée et la Kabylie est livrée au loup de ces mêmes coalitions qui ravagent ses piliers identitaires séculiers. 14 juin 2001, 2 millions de marcheurs kabyles à Alger, vous savez la suite, accueillis comme la peste et le choléra, réunis par ce pays nommé Algérie, nos braves hommes et femmes, DRH et la plateforme des revendications pourtant kabyles, mais qu'on voulait national, on m'a terminé devant l'incarnation du mal et de la haine de soi, le sinistre Yahya. Il a tout manipulé, il voit qu'il faut que je ne fasse pas que je ne peux pas mettre en doute l'intégrité, mais rien n'empêche de dire distance. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a maintenant un à chaque fois, il y a un milieu, si on a musique, une samus, si on a des arrivées à la salle. Alors, non, cette énumération de sorties en Kabylie des Kabyles n'exprime pas un cumul de débits, mais plutôt un cumul d'échecs et fort instructif. Cela nous prouve que s'éloigner de la Kabylie, c'est s'éloigner de la solution. Et être maintenant dès qu'on s'éloigne de la Kabylie, c'est-à-dire que la solution n'est pas là. La solution, c'est la Kabylie. Aujourd'hui, en 2019, l'État prison nommé Algérie, ce lézard étende que les Kabyles s'abstiennent et de ne pas la reconstruire à leur énième détriment. Le cadre culturel est devenu obsolète depuis le printemps noir de 2001. Ceux et celles qui nous proposent encore le cadre politique algérien ne semblent pas mesurer l'immense risque qu'ils font peser à la Kabylie. Dans ce cadre politique algérien, on y trouve de tout, même la Palestine. L'alternative la plus sûre pour faire dégager cet État nommé Algérie de la Kabylie et de sortir la Kabylie et son peuple des décombres de cet État prison et reconstruire notre Kabylie libre et indépendante. Juste deux conditions, donc les mérites de ce pays. Hein. Donc, en tout cas, la constitution de l'Algérie, terre d'islam, partie intégrante du Maghreb, pays arabe. Dans ce cadre-là, Ouma, alors à chaque fois que l'unité politique kabylique, le pays kabylique, pour essayer de marcher là, de résoudre le volet, je vais terminer juste avec ce pays, c'est la dernière phrase. En septembre 2019, le dénominateur commun qui doit réunir les énergies kabyles et la Kabylie et son peuple, Takvelif Xwell, la Kabylie avant tout. When you value your hand, and you will get your hand. Vouloir en 2019 un cadre fédérateur pour sauver l'Algérie achèvera ce qui reste de la Kabylie. Donc, c'est une déclaration des militants africains du Cameroun.
Donc, je vous donne une déclaration pour essayer par rapport à l'événement. Le programme a été préparé par Técoussin. C'est une grâce pour l'invitation. Donc, dans un contexte inédit, nous célébrons cette année le double anniversaire du 1980 et des événements sanglants de 2000. Ayant coupé sur la violence aveugle de l'État, la vie à plus de 127 personnes en cabine. En ces moments de résurrection citoyenne qui force l'admiration et qui nourrit plein d'espoir, notre pensée va d'abord à ces jeunes qui nous ont quittés dans des conditions effroyables et aux milliers de blessés sur lesquels ont été laissés des cicatrices indélébiles. La formidable mobilisation populaire que nous vivons depuis le mois de février dernier, l'éveil sanitaire de l'ensemble des Algériens et des Algériennes à la nécessité d'en finir avec un pouvoir corrompu et autoritaire trouve pour une grande partie leur origine et leur signification dans le combat démocratique permanent de la capitale. Ce juste rappel ne tient pas lieu d'une volonté de glorification, mais seulement pour dire de manière forte à ceux qui nous disent aujourd'hui, ce n'est pas le moment de mettre en avant vos idées et vos revendications, et c'est justement le moment parce que c'est faire des choses à moitié que de vouloir dégager un système sans réfigurer celui qui va ou qui doit le remplacer. Comme il est toujours bon de rappeler que l'appel légitime à l'action unitaire doit toujours se faire dans la reconnaissance de la pluralité, le respect de l'expression de la diversité. Ceci est valable pour les idées, tout comme pour les symboles qui se sont exprimés à travers le drapeau. La démocratisation du pouvoir doit aller de pair avec la démocratisation de la société et la modernité. Se focaliser sur l'état de droit et oublier le respect des libertés individuelles et collectives, mettre de côté l'égalité des sexes et la liberté de la conscience pour ne parler que de l'alternance au pouvoir, c'est aller droit vers la régression. Le départ du système n'a de sens que s'il est accompagné par la fin de toutes les formes de domination politique, culturelle, économique et même religieuse. Et le départ du système ne peut se concevoir sans le démantèlement immédiat de la police politique et ses principaux organisations, le FLN du GTA et ses différents réseaux clientélistes. Dans cette phase historique qui suscite de larges espérances au sein de toutes les franges de la population, il faut se garder de considérer que tout est acquis et que le système politique qui s'est imposé depuis 1962, ne peut pas se régénérer. Sous d'autres formes, en détournant encore une fois la volonté des citoyens. L'élection du commandement militaire ces derniers jours dans l'arène politique, pour autant qu'elle peut s'expliquer par la vacance du pouvoir institutionnel au sommet de l'État, ne doit pas s'installer dans la durée. La transition politique, pour qu'elle soit démocratique et conforme aux aspirations du peuple, doit être conduite exclusivement par des personnalités civiles qui n'ont aucun lien avec le système. L'armée n'a de vocation que de remplir les missions qui lui sont dévolues par la Constitution. C'est pour cela que la classe politique, qui ne s'est pas compromise dans le soutien du cinquième mandat, a une responsabilité majeure dans l'élaboration d'une plateforme consensuelle de sortie de crise. Sa désaffection aura des conséquences certaines aussi bien sur la mobilisation populaire qu'il faut toujours maintenir que sur l'issue de la transition. Une conférence nationale pour la transition démocratique serait un cadre idéal pour arriver à un large consensus. L'expérience de la CNFDT en 2014 pour constituer un cadre de référence et un exemple pour sa formation. En tout état de cause, tout changement qui va venir et qui ne tiendrait pas compte de la réalité sociologique culturelle de la nation algérienne est voué à l'échec. L'Algérie est une nation multiculturelle et la diversité qui la caractérise doit trouver sa traduction au niveau institutionnel.
à la Kabylie dont la spécificité n'est pas à démontrer, nécessite la reconnaissance d'un statut politique particulier. Il y a beaucoup de liens partagés avec le reste des Algériens, mais les Kabyles constituent en soi un peuple d'Algérie auquel il faut accorder des institutions législatives et exclusives en compétences élargies. À l'exclusion de ce qui relève des compétences régaliennes de l'État, la défense, la monnaie et la diplomatie. Sans préfigurer de ce qui se résultera de la transition politique en Algérie, nous savons que les questions d'ordre idéologique ne feront pas le consensus au niveau national. Et la question de l'école va revenir au centre des débats. La Kabylie, parce que ces aspects liés à un esprit de souveraineté, doit se donner une école qui correspond à ses valeurs et à la sauvegarde de son identité propre. Plusieurs options s'offrent à nous. Le fédéralisme, le régionalisme, la décentralisation avancée. L'essentiel est de sortir du système jacobin. Le fédéralisme qui a fait l'objet d'une vive polémique ces derniers jours doit être abordé avec sérénité. Il est admis qu'il nécessite Il n'est admis qu'il ne nécessite pas l'État dans le monde qui peut se prévaloir d'être démocratique. S'il n'est pas de type fédéral ou des autonomies, quand la nation qui l'incarne est une nation multiculturelle. Nous sommes ici au Canada dans un pays fédéral et pour avoir été imprégné des réalités de fonctionnement de ces institutions, nous comprenons bien qu'elles peuvent être des articulations entre une province comme le Québec et l'État fédéral. Cette riche expérience, nous pouvons en tant que communauté kabyle installée au Canada, la mettre au profit dans le débat. Le RPCA y est déjà engagé, notamment en intégrant dans ses fondements politiques la pensée multiculturaliste. Si on peut se mettre une illusion, il s'agira alors de faire de la Kabylie pour l'Algérie ce qui est le Québec pour le Canada. La question linguistique, dans les deux cas, constitue un élément central dans la problématique identitaire. La disparition sous la menace de l'assimilation est toujours vive dans les deux cas. Les formidables manifestations de la jeunesse kabyle en décembre 2017 pour défendre la langue amazighe, quand certains cercles proches du pouvoir algérien ont essayé de lui donner un statut facultatif à l'école, en sont une parfaite illustration. Si les demandes de reconnaissance identitaire culturelle et linguistique portées pendant une décennie par le mouvement culturel berbère n'ont pas eu de réponse escomptée, c'est aussi parce que le paradigme des luttes engagées n'a pas intégré la nécessité de nécessaire demander de reconnaissance des droits collectifs des communautés et peuples algériens. Le RPK considère que le moment historique est venu de rassembler toutes les forces en Kabylie pour peser lourdement dans le processus politique et s'engage actuellement en Algérie. On ne pourra servir cette dernière qu'en restant nous-mêmes, tout en gardant l'espoir d'écrire avec tous les Algériens une nouvelle page d'histoire commune avec le vivre ensemble comme valeur partagée. Je vous remercie pour votre attention. Juste pour un petit rectificatif, maintenant, vous avez dit que vous avez la polémique, d'accord? Là, vous avez dit que vous avez une histoire qui vous a dit que vous avez 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 dit que j'ai ramené des documents avec moi. Tellement. مرحبا محمد. لكن كان كده تنسي ولاية التحالين أنا أعطي مع شبري سيسميس ده معناس في أركع هذي هذي أتدو كلا إذي كلا أفلاقي هذي ويما مسلال راح تكون زا تكون في الأفلاقي أول وقت أزوك دور Oui, au moins que le grand reste du Michel qui est participant exactement
Donc, moi, en tant que consommateur, je pense que le fondateur, il y a 1 million pour arriver à l'économie. Donc, c'est bon, l'essentiel du mal, ça. Donc, face à la situation actuelle, le mal, je dirais en général, mais pour la tête, il y a un particulier. En tant que lui, réellement, cette situation, qu'il se soit réduit en tant que souverainiste, donc, qui est pour un état réellement indépendant. Donc, une souveraineté, par exemple, dans cette situation actuelle, c'est un danger pour la famille, qui est la force de la famille, tant si elle m'en va, pour prendre ma vie de la vie. Donc, on a fait la préparation, après, on a cette contribution-là, c'est un très grave, donc, il y a deux de l'objet de la vie, donc, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a des faits, il y a des faits, il y a des faits, mais c'est juste un texte, vous avez aujourd'hui dans notre processus de minutes, donc c'est ça. Donc, dans quel angle d'attache historique du combat de la famille depuis 1857, du rôle de Fondopolie, on propose une solution par rapport à la famille dans le cas actuel, et qui nous aurait lié un danger, non seulement peut-être par ce système, par ces marques, pour nous, c'est une réparation, mais un renforcement du système peut-être, dans cet état actuel. Ce renforcement peut faire sortir de la sphère d'une manière démocratique, de culturelle et civique. Mais d'une manière dictatoriale, il faut garder le pouvoir du général se renforcer d'une manière démocratique acceptée par la majorité des Algériens. C'est ça le danger. Voilà. Donc, ma contribution actuelle, c'est par rapport à laquelle il passe à son destin. Donc, je vais commencer. L'Académie a toujours vécu indépendante dans un territoire souverain jusqu'à l'achèvement de son invasion par la France coloniale en 1857. Bien qu'annexée en force à ce que l'administration de l'ancien colon français avait appelé l'Algérie, l'Académie a toujours su garder et préserver sa propre existence, sa langue, sa culture et son identité, sans le tenir d'une civilisation millénaire, amazigh, mitterrien et nord-africaine. Sa propre identité, sa démocratie directe, la notion de la liberté de culte et le respect de toutes les sites de carence des religions symbolisées par l'humanité. Son système de solidarité et de justice sociale jusque-là infaillible constitue encore aujourd'hui des débuts infranchissables pour la déferlante arbre islamiste qui ne jure que par sa mort et sa dissolution en son sein. La famille qui a ainsi le réduit pour l'indépendance de l'Algérie est soumise à une forte campagne d'énigrement. Elle sera tout au long des années postcoloniales et encore aujourd'hui diabolisée. En effet, pour contrecarrer toute forme d'opposition susceptible d'incarner l'espoir d'une Algérie démocratique, le gouvernement de l'Algérie officielle a misé sur une politique ségrégationniste basée sur un max principal, faire de la famille l'ennemi intérieur de l'Algérie. Cette politique consiste à isoler les Kabyles de l'Est de l'Algérie et il ne fallait pas que les Kabyles contaminent les autres Algériens avec leur forceuse idée de liberté, de justice et d'égalité. La révolte armée de la Kabylie sous l'égide de 1963 a marqué le début officiel du désolement politique de cette région française. Les 400 maquisards rescapés de cette année de guerre contre le communisme français ont été liquidés par l'armée de Gondien, fraîchement débarqué en Algérie. Après le cessez-le-feu, cette macabre histoire se résume par la phrase de Mandela Roussel, heureux des martyrs qui n'ont rien vu. De la propagande anti-Kabyle à l'apartheid identitaire, le pouvoir algérien a excellé dans sa politique raciste anti-Kabyle. Pour cela, il a usé de son intelligence destructiviste. Il a aussi mis des moyens exorbitants dans les coûts humains, cette fois, se font ressentir à ce jour. Nous sommes en train de payer la politique criminelle d'arabisation par l'incorporation des divers de justice et autres apparentés terroristes sortis du droit des prisons égyptiennes de l'Égypte de Jamel Abdel Nasser, qui se débarrassent de ces paradigmes en Algérie, pour précisément là où les dégâts sont les plus à même de nuire massivement l'éducation nationale. Donc, l'indifférence totale de l'Est des Algériens, la Kabylie particulièrement ciblée par cette politique d'arabisation, a assumé et porté seul la lutte contre la politique arabo-islamiste du pouvoir algérien. Le printemps dernier,
la création de la première ligue algérienne de la haute langue, le boycott de l'année scolaire et l'université 94-95, le renflat de faire un bon droit 2001-2005, sont les rêves de phare qui ont tenté de poser les jalons d'une Algérie démocratique et plurielle. La générosité de la famille n'a jamais été recompensée. Force est de constater que la solidarité qui fonde les nations a toujours fait des mouvements civils salvatrices et salutaires pour l'ensemble du peuple d'Algérie. Les peuples d'Algérie, au contraire, nos luttes démocratiques sont restées incomprises et ont même contribué à renforcer le doute et la méfiance vis-à-vis de la famille. La Kabylie est la cible constante du pouvoir raciste d'Algérie. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour sa détermination, ce pouvoir a échoué dans son entreprise. Cet échec a ramené à adopter une nouvelle stratégie, délocaliser le terrorisme islamiste en Kabylie. D'une part, et d'autre part, instaurer un climat de terreur et d'insécurité en laissant libre cours l'exercice du racisme d'État en opérant l'attitude criminelle des hommes et des militaires en Kabylie. L'objectif étant de soumettre définitivement la République kabyle à la domination arabo-islamiste. Et quoi de plus efficace que de ne pas d'erreur. Après les massacres de 2001, la naissance de la revendication souverainiste kabyle, l'élément assumé et clairement énoncé, les ultimes solutions susceptibles de préserver la kabyle de la politique scélérate du régime d'Alger. La kabyle ne veut plus réduire ses aspirations à une simple question de revendication linguistique. En tant que l'État algérien s'assure l'arrivée effective de nouvelles générations et que certains élites kabyles font encore semblant de faire l'obsession effective de démasquer la clé du problème de la Kabylie. Alors qu'ils savent pertinemment que la question linguistique ne veut connaître de dénouement effectif donc, que dans le cadre d'un État démocratique, laïque, social et donc un État kabyle. La liberté, la démocratie et la laïcité étant difficilement compatible avec le totalitarisme arabo-islamique qui gouverne l'Algérie. Après un effacement de plus d'un siècle, la République s'affirme enfin et s'assume avec fierté en tant que peuple et nation. Le peuple kabyle aspire à vivre en paix et le seul moyen d'y parvenir est de souder ce peuple en une nation, de l'encourager, s'émanciper et de l'extraire de la soumission forcée à l'Algérie en 1857. Qui nie son existence et le force d'assimilation. L'avènement d'un État kabyle démocratique, malique et social fera du peuple kabyle un peuple bâtisseur dans sa pensée et dans ses actes. C'est à partir des besoins des kabyles qu'il faut construire notre État et celui-ci ne se fera que par la volonté des peuples à travers la voie légale du référendum, à savoir le référendum pour l'autodétermination du peuple kabyle. Donc, la Kabylie et la révolte algérienne. La Kabylie participe activement à ce mouvement de protestation inédite, car parce que la Kabylie est en révolte depuis 1962, la contestation du 5e mandat de Bouteflika a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais la Kabylie n'a connu qu'un seul mandat, celui de la dénégation, de l'inexistant, de l'oppression, de la renversion, de l'arabisation, de l'islamisation forcée et de l'assassinat des collectifs. Ce n'est pas rien. La Kabylie a toujours été la matrice et le berceau du combat progressiste, démocratique, identitaire. C'est d'ailleurs ce qui a engendré son isolement politique et permanent. La Kabylie, qui est encore une fois à l'origine de ce mouvement de contestation avec la manifestation de Harappa, et que beaucoup tentent de passer à la trappe, doit tirer les leçons de son histoire afin que tout éventuel changement ne se passe pas à son. Ne se passe pas à son détériment, c'est ça. Ouais. En cette phase sensible qui ne peut être sans effet, on constate sur la Kabylie toutes nos structures politiques, culturelles, associatives et citoyennes sont tenues de s'entendre autour d'un compromis politique, social et culturel, ainsi qui garantirait le respect des identités politiques de chacun, tout en préservant les intérêts de la Kabylie. Celle-ci ayant de tout temps lutté et payé le prix fort pour ses idéaux de liberté, de justice et d'équité, est fondé à demeurer vigilant afin de protéger au mieux ses intérêts pour faire face à tous les scénarios possibles. Donc, on va aller à une proposition, à une conférence citoyenne gratuite. Quoi que soit, nos différences, ce qui nous unit est plus fort, tous,
le militant pour exaucer les deux milliards de développeurs pour voir combler que ça soit de vivre libre, souverain et responsable. Il est alors vital de dépasser les égouts pour enfin exercer un effet intégratif dans notre combat émancipateur et laisser place à Hegemes, élément sociétal cabine par excellence. Ce respect militaire était de tout temps en vigueur dans la société cabine pour résister et faire face judicieusement aux menaces extérieures. Ce chemin si difficile vers notre liberté. Cela moins éprouvant, cet esprit de la fraternité du dialogue règne entre nous, entre tous les militants d'habitude. Cette solidarité intelligente doit être concrétisée à travers l'organisation d'une conférence citoyenne d'habitude qui aura pour objectif rassembler les diverses sensibilités politiques d'habitude ainsi que l'ensemble des acteurs de la société civile pour rétablir et maintenir le dialogue interdit et instaurer un débat serein et fraternel. La Kabylie a besoin de tous ces enfants. Il revendique le rassemblement de tous ces forces positives. Signer un pacte noir de respect mutuel entre toutes les sensibilités sans pour autant entraver le débat contradictoire où chacun aura à charge de convaincre l'autre de bien prendre ses positions dans une démarche saine et constructive. Mettre sur pied des institutions populaires participatives qui auront pour mission de défendre et de protéger les intérêts immédiats de la famille contre les graves nuisances et atteintes du régime algérien. Réfléchir à des meilleurs moyens d'impliquer davantage les femmes dans la construction et la prise en charge du destin du pays, certes authentique mais moderne, ouverte sur le monde libre et foncièrement acquise au principe d'égalité et d'équité. Un peuple qui écarte la moitié de sa société est condamné à sombrer dans les ténèbres de l'humanité. Nous sommes convaincus que l'État émergera et s'imposera comme un acteur incontournable. On a vu l'Union des peuples libres pour laquelle la Kabylie et l'autre peuple ne demeurera vu depuis des siècles ce qui cible se conjugue avec le présent. Soyons à l'écoute du monde et à l'autre de notre destin. Merci. فريد الزيرة بسم الله اليوم مس عمر خرجا سيسيس بسم الله بسم هذا مزلوي كثير الكل ده بيعمل دعوة اليوم لأنه قد ولا ولا سيسيس بسم الله انت عارف اليوم سلاي غفو وسن مديم مزلوي سلاي في تيمات أول واحد أرصادنا من سكتنا، شو من أبليان كانت تبين كتابينيس، إدريسنيس 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 إدريسنوزون وقدي معنا في داران، نراهم يقولنا إذا إيش على السوق ولا عميل وفرد وفرد بليم عطسي كده الحوائج مشكلة مسؤولية سيموس وليس من ذين دين وكذا غير جن كله تفهم كلام السن وشونا شونا أنا في كل يوم تم ولا عمر وليس لا خطر وقاب وضع سبورة وضع سبورة لعني لقص في هذه المجلس أي جديد مرانا السكين بين الصراحين دين الجرسن دين ديالهم الخير كيقدر يسوي لهم كيقدر يكون صاع هذا المرسول والله هذا الجوال هذا سوى الاخبار وكاس نرى هذا الرق لما لما كان يكون ولا حد يزور لما كان كلاس المال بس المال طبعا على التريد كان مرتين او ستة على رامك شو على سلاف وعلى سلاف وخجال ورجال كنا نسبحوا على الزيادة كنا نخدم كثير منا نسبحوا ونبنوا ونسبحوا بيث أمانا أسمي اللي خاصة كنا نقوم بسي المال والجغار اليوم كنا ديهم اسمي اللي قلنا خطر ما كنت اسمي اللي كان وقلت يدهر اسمي اللي القرآن هضران في خلية يقعد الاندستري لونجاجيان ولا يبدا تقول لي قد كبير ما عليه الا واش كاين لان العاملين دوكانا وكلين سود نغمق في الفلاس وسنفكار مازال كاين يوم القرن
يقول لهم كيني ولا هو يعمل مقدولا ما شاء الله قصير سب السنة دي تسويت نكمرت ومجرد نكمرت بالكهار وتسويت أي مدان المدان روكا مقارنة روكا السنان روكا زعال روكا يشفال شو كان كانت سوالة كثولة كثولة إذا روس كواس انتماني كم يوم نيد إذا رخلوا في مليحة على أشوالك الواسع ثلاث ذبانا أسوخ أسوخ ماشي الشطح فقط أخذنا المكان في السلسلية كان المكان أمور المقرار السلسلية سخلط البطس قروميد وهو الفرنسيس بطس هو المتعرف على كل مكان تكشمني الزمان لو عمرو هذول كشميت دولة هو اللي تعرف في الستين وهذا كلش كلش عند كلش أي من اللي غلط ما يبي أروحه أصلاً سام كان سنة سوينا دشوي له أتصور بلي ما أدري تجري مغارز سام حسن طلقون يلوزينا كيف كتبت كيف تشوفت ثورة شنو اللي دامت ذاك عشينا بكل خطوة كل يوم للإنسان دهر أكني دعم باش كنا دار ثلاث ودارينا ثلاث حتى ولاش سواشو ولاش ولاش كي استعملت السوشيال على خاطر الشوال ديال باش كدير المدرب ديال السينما او كيف دعمنا خاص السوبر تكون ذات الاسم يخدمو اكل الكينير الذي السينما قالوا لي فاتصال شحال يديهم ديت موز يفوت شحال هي كيما 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 ولا شوال في عام ماشي ماشي خاطر الدين قال كل يوم باش ندي شعبان ماشي هو الزين صح كلام بعد ما تشيك كيف سنوي يا غير بالضبط بالضبط سبيل سكون هذا صغر إنسان ديت مدري لحو تدو اسمي اللي خدمه انا خدمت وين شتاكي انا خدمت الشغل الايماني والشغاله كاملات ضغط الخدمه في الزمره خاصو اللي قاصه تسيحو اكن صوره ولا عني ماشي كان نشتاكي يمي الصغرايا مزروب وقلت ديك جمره في صغرايا في السيارة ذاك اليوم خاطر تولي غير كوردان غير من بعد ديك وين صار قسم واش لازم تقرا خاطر ديك وين لازم تسمسلي على الحاجة دايرين الحالة هي تسمى زوالو خاطر الزهر تسدم تسدم فيها ولا تاع غوران عندك شي ثمانية المال خمسة وشتينا مثلا دي ثلاثة بعد ما لي بلاك نوما كثر دي وراح تجلس في الكرة هنا باش كنا هنا تشهد ديك وين قدم قسم تاع السير قبيل ولي انا وشوف خلاص سيت كينيا ماشي لو كان مكتوب عليه زران ما حدش ما حد دفع ما له لو زين دفع ما له الحبس اما انا خلص تفع باللي ما تخلص قبيل نكين شغل فوق ما نوافحها لا راني من بعد ني تفهم في ما نسين قبل سن تاجر ماشي مقصود ماشي مقصود هذا الشيء واحد هكاك يوم خاص خصا معنا أعرض الولد المنين قد أزجده فهما تبع ولكن اسمنا كلين ويبوديد ونظر دي من القافة ثلاثة في الأكل نصح ثلاثة في الأكل ولا خمس يخفى ثلاثة سوعة في الأكل كل بغد من إلى قان السيوة إلى قان السيوة من قان الصغرص المزيق خرطوم كرام للمطيار بشكل مديلة تسمحوا قدر ده شو يسمحوا لي بالبلاد لا 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 ضر في سوي له هيك يوم سوى هذا أما ده ما تلفزيون ما تلفزيون رأي له ما هو مسألة له ده وين ده دعني بس كنا ضربه وين السنة يبيس المدن طبيعي ما ثلاثة قدر زول ولا كان في قبيل ثلاثة يكون يتعرفوا ده أخطر بيت يوم نبري الزمرة تردم جوارس يقول ثاني قام تلاز يخف يبوض ثلاثة ميشاويين قامت يجي ماشي ثلاثة شاوي هنا ستقبل يجي ماشي دعني سينا مصابيين ولا أنت على تقارب يلقبل أنا اشتكي لقدامي دي لي وانا بيسقى مكنين
أعبرا بلقب هذا المستوى أصلح أكنوات. ألوغ مثل نيوتا كيني هذا هو الفكر قال شو مصوب وباشو بنا وباشو قدشا سوف عبد الديسل أنا زور سوف عبد 2006 سماغاس أما هو المشطوح بسنين نوغاما بدي لكسيك دي سانس دي لاناتور لي حريشن وكل حريش وحدس سوف عبد على عشي عاب ويسي سوف عبد aussi sauf en fait spécial 2011 ce maras spécial immoral il faut chute أسكان جات بسيارة ونصي موبايل نقام كثير دلوق صار صغيري أما أول نت قبلي في جروح الرخ نت وغل رخ وربط بسنا وس وس وند خم كذا جرو عندني تسبيت بس ما غص ليك سب صوت لكن جوا نزير لقس إلا وتص جلال أما دينزال أما ما سمعين أما دايما كنت يشد على ثمتين ديال القبايل انا كيف مقارن ايوا شوف مقارن وانت تاك بالنسبه لي في مقارن وكذا كيف الخلاق انا نقدر الى يوم العالمين والبيس خلاق تاع كونزرول ميتس زين ربما انه ديما كونزرول اطاس كونزرول يدير خلاق تاع سماغاس لا كونكيت فرونسيز دو جيو جورا ونعاود غاس خاطر تتحمل هذه راح يشمع ليكسي يشمع كل يقولي عليا كينيا ويشبان مرتفع أين اللان أين سنة كينيا أفكروية ومرتفع أكل خدمة كل خدمية وكما ده وزيد في كارتن بيجيم أبني وزيد في كارتن بيجي السرير أغني د مصوار قبيل نوع تمزق لذا في السنة الأولى أغني خلنا نحكي عرض موش يا أغني لا شوي لا لا مش لا صدر وين مكسوم أديلا وين مكسوم وهو خصم ولا هو إذا رمون شتك إذا رمون شتك يوم أما ذي ذي لا تنسلا ما ذي ذي تنسلا تنسلا ما ذي تنسلا وين تنسلا أما ذي 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 اسمهني موكا أطبوني ناس أتصل أطبوني ناس أتصل كويس كاسم طلب طرباي يوغس صافي هو هذا الشيء ما دلنا ثلاثة أسبوع ثمانية يوم بس صايونك سنا سام كنا فاهم كيف كان شغله يوم إني بلا يوم بس صار أنا أظن كيف سوق يوغس سوق شغل ما تيجي هذا اسمه نخذ مايك يوم بس صغار يوم كنا عروسين ذاك يوم تقولي لي ترى كلام على وطس أسمع في ونزل 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 مبارك على كل يوم نشوف سال سبعة شغل ما كنا تيجي هذا تمسك كان بورو أي من هذا تيجي يشتري على كل كينيا ويدي بدورا على النارجع ما ليش ما قالوا نار خاصو سيد قرا أنا تو تو خاصو البزار وين الجماعة وين الجماعة أول زمان خل ما قد يكسرها أما وين أمها زمان في خل ما يعني ما مسؤول ماشي ما ماشي ذاك الأخ كان كبير وبرتديت سيدس سوين كبيرة هذا المصح
Et que la dame, les pas de temps, les salles, 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 les salles,
C'est lui qui a rempli le service militaire. Donc, militant est au service, un militaire discipliné au service de sa cause. Donc, il y a des choses qui sont c'est l'engagement qui fait une cause. Comme dit, c'est prélève. La cause de Kiev, c'est une cause certaine, qui double notre syndicat. Donc, c'est quoi la finalité de ce c'est pour, et au final, il y a une idéologie. Là, une idéologie, n'a pas ce n'est pas. C'est un ensemble de solidarité hors de toute organisation ou idéologie politique. Ça veut dire, ولاش ام السندكات واقف المواصنع نو توقع سنه هو غير سي بون كومبات ان سوجي بريسي parmi les sujets par exemple on tient racisme dans le monde l'humanitaire la défense de l'homme l'environnement etc et l'interpeller justement la thème de ce matin c'est le titre c'est une cause qui est morale moralement tu vois chez la cause qui ma voix est à vrai ou je dois être ensemble. Donc, Oudem Akveilien, il faut le préciser, tout en lien, un nouvel Oudem Akveilien, et qui on a pas sa place en termes de militantisme, c'est un salaud éguilé. Depuis le début de l'histoire, elle met sur un autre qui montre une mêlée en termes de militantisme sincère sans chercher rien du tout, la noix. Non, la figure de milieu ou d'une corrière, d'un avant-tour. Ah voilà, elle voit là. أبو ولدي شغل وقبيلية ذا شو ما تشي حاشا دي ما نسي قولا يقول لنا مثلا نسي ما زي الوياض توش نظن هو كان بس نتمو في نسلس ما نسل المقر هذا المقر بكين على الحلسة بيون ومضال أعرام الشكية قبيلية فرحيث الحال إما زي الوياض بلوز يموان يا قبيلية نسا كثبا حتى سنسل على سطاس أكي سيدا مع طوبة نعلم أن يجلسوا ذلين ولا أن يجلسوا مصر أقبل أن يسجل كاتلوا بنيو نجيلا على مصر إنه كان صحيح أي نساء هذين ذلين نعطي وجه الكسلة يعني دي وانشتكي دونك اسكسمي إلي خلا اسكسمي تشون تم هذا الفرنسيس 1857 أنا ما 2011 اللي كنت سوالي مالكا سيلو الواني بوار ولكن تورا دائما لو احنا عندنا نبيع لكم قال كيف انما كان كم هذا وانا كم سليمان نازل او سانهوش سليمان احمد يضلي لك مستلين كل الناس لكم دكتور لك اللي بيبقى دم دم سمح مدارها يجي من دلال البيليون تسد الحاجة اللي بمت سوصن طوى لقانقية الصومة اسمي سلاكيز بالبيريس لبوان مغافيكان بوليفا يقول لنا مسوابه لقرانا المانيوال لقرانا اللي بمغتابي طب وقال ذكية فلما دموت مع طوبة
السيد مازيف غرب مازيف ثم ديالو بدا ما تقول لك بدا مع بعض او 1897 En 1800, si on avance par rapport à notre temps, c'est divisionnaire. Bon, après, il y aurait dit, est-ce que je donnerai à l'Ungwed donnera la création des poids non africains en 1926, les poids, les masra, les poids africains. Il me charme de l'Ungwed, ou même mon propre, avec du Nord. Dim al-Mazir, qui est la mission Mazir, d'Arbeïd, il est en 1945, ou Smeira, il est en 1945. La crise de 1945, semaines, la crise de Kabil, c'est pendant la paix, il a dit, je crois, il y a un poids au Mazir, voyons. Il se met à la crise 66, semaines, la crise de Kabil, vous voyez. Oui, ça va, il y a un peu de temps, 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 dans la télévision en 1999, ce matin, la Kabyle TV. Elle dit, mais moi, je rentre pas, non, c'était un rapport de mien. Elle dit, la Kabyle, je vais vous dire, il faut la Kabyle, elle doit appartenir à un monde plus vaste. Elle ne peut pas s'isoler, il a un mouvement de corps, de corps, de mon lycée. Donc, on reprend là, dans la Torah, Youssef, dans le problème de qui est votre pays, et je suis un petit peu, je vais le dire, mais tu vas y il Alors, en 2012, les gens qui ont été en 2013, Djouama, comme sont la gendarmerie nationale, la police, la guerre, les actes de la BIWAT, c'est ce qui est le plus important. Donc, après, on va arrêter de sortir de la guerre, la police, l'administration de la guerre, les chefs 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 de la guerre, les 60 chèques qui nous ont appris et nous ont remis chaque lieu fait, il y a une dernière qui m'a dit, attends, tu vois les chèques de la division qui m'a dit, ou la même chose sera au moment surveillé et le raquet individuel. Il y a une dernière lettre, il y a aussi un cura, un moment surveillé, une sexe d'unité, ça s'achasse, et tel est le cas de veiller, Firefox, l'un des articles scientifiques surveillés, ce qui est le programme de la liste de doublage surveillé, les amas, tous les niveaux de la point, télévision de la tête, l'article 5. Il y a un diagnostic.
وكان كونشتكي وكان كونشتكي اش بدل النون ادل النون في ليكيليتي ليكيليتي بسبب ما كيسمي البوع ادل كاف ليكسل وتنجج على كونجيل ليكيليتي نيجاتيف دارني دي بوا لا ترايزون اخضر توخض توخض دارني تلقاها نقطه لو بدي نقطه كاريمون كل التصوير دونك وانا نشوف ليكيتونج نخدم دونك اكسبورتور على مصر militant à l'Istanbul, avec des deux électorats, avec des nouveaux, etc. Ça nous dit que les choix, j'ai quatre heures. Je vois que j'ai des systèmes à l'agrément le système législatif, à l'agrément le exécutif, à l'agrément le judiciaire. Et autrement dit, un ministre par le Parlement, un avoir un gouvernement, et puis ولكن les bandes de l'argent, أشوفت في إسرائيل سيزرين يوني في مهم في النادي ليس أولا أكسا زول بلوان سي ديفيسيل هذا راك تفرجي اسمعي تبدا كل شيء واش يجي صح انا غير شادي نعم معليش كي دخل مع جوست دونك ساش طاح بلون دو فيزوال الجيري جيتي اكتر سي فينومين دو شان بريفي كي ا كومونسي ا بارتي دو 2011 كرياسيون دو كالك شان تيلي او الجيري بون j'ai un constat à faire un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans le paysage du musée algérien, et particulièrement en Kabylie, parce que ça touche une partie quand même assez grande. Alors, dans le constat, c'est que depuis 2011, après le discours mis de Bouddhia Tarzan, il y avait un engouement, pas mal de personnes qui ont eu l'initiative de c'est l'anti-tikarine de la chaîne carrière une chaîne de télé. L'Inkaram, ils avaient un projet déjà réfléchi. L'Inkaram, c'est spontané. C'est un tige carré, ils sont venus sur place, ils ont décidé de travailler une chaîne de télé.
Il y avait quand même, juste après le discours, ça a commencé. Vous en avez un peu même, une chaîne de télé en dehors des chaînes publiques qu'il en avait en TV, évidemment, il y avait un monopole sur le champ du visuel. Mais est-ce que le privé, c'est la même chose à la boule, mais vous en avez un casque. Alors, la première initiative, c'est qu'ils ont. Ils ont décidé de travailler des chaînes, mais après, ils ont décidé de travailler des chaînes. Il y a eu quand même des astuces comment contourner un petit peu la loi, parce que réellement, constitutionnellement parlant, l'Algérie n'a pas ouvert le champ du milieu. C'est que ce qu'ils ont fait, alors, gérer des fréquences des satellites gérées par des sociétés basées au Moyen-Orient. Ils ont loué des fréquences sur le satellite. Après, ils ont commencé à mettre des programmes, random. Mais la réflexion de Sardamar, ça veut dire que je suis allé à Sassil, vraiment bad, moi je me suis fait. C'est ce qui s'est passé. Dans le réinvestissement, il y avait des chaînes qui ont été voulues un petit peu par le pouvoir de Janassina Adelhour. Staline et Théoulien, mais sous le par les généraux, ils sont toutes considérés comme chaînes étrangères. C'est-à-dire, des fois, la région Zardaran, un petit peu, c'est des chaînes algériennes, c'est des chaînes étrangères. Pour le pouvoir actuel, c'est des chaînes étrangères. Pour eux, c'est des chaînes étrangères. L'entre-ça, c'est des accréditations de bureau à l'Algérie. C'est à qui ils sont pour le pouvoir. D'ailleurs, l'organisme de régulation de l'audiovisuel de l'Arabie Nière, de cette paroisse, ils ont après les premiers investissements. C'est ici, ils m'ont parlé de ça. Dire, tiens, le champ du musée, je vais vous dire comment il va se développer. Parce que même nous, nous en avons un cas après. Sur le Zernes, ça commence à pousser partout. Après, on dit, c'est où elle les chaînes qui peuvent préparer les génies, où les investisseurs qui peuvent. C'est à partir de là, les premiers, on peut dire, les. 5, 6, 7 premiers mois, ils ont choisi ceux qui peuvent récupérer. Ceux qui peuvent récupérer, ils ont été récupérés pour travailler pour la même idéologie. Et ceux qui vont, ça veut dire, qui vont disparaître tout seuls parce qu'ils vont. Après, il y a eu le Rachid Fakhna, pareil, en fin de Manson, devant des difficultés financières, en fin de Bélic, une chaîne de télé. C'est une petite boutique, c'est pas un magasin, c'est pas un truc. Alors, ils ont analysé le champ émergent, la création de champ émergent, ceux qui vont résister, récupèrent un peu, ceux qui sont fragiles, ils ont une gilinarine, parce que vous voyez quels sont les créneaux à l'étranger. Évidemment, on est dans le sport, on est dans la cuisine, on est ça va se mettre des chefs de chef généraliste, au revoir dans l'information, mais on doit voir, pour donner quelques détails, c'est-à-dire ce paysage que vous avez trouvé de Guinée, c'est qu'au départ, il y a eu plus de 70 fréquences louées pour des projets de chaînes privées, créant un espace de 2 ans à partir de mai 2011. Et seulement 26 chaînes ont survécu et continuent à diffuser actuellement. Parce que vous connaissez ma chaîne d'Edith Soakaraï, chaîne disparue, chaîne d'Akhir. Là, je vais un deuxième point, je vais vous faire un peu de temps. Nombre de chaînes de TV expression de capital. Ça veut dire que la Guinée, c'est des chaînes d'Edith Soakaraï. L'indé des grèves avant 2011, l'indé des grèves après 2011. Parce que faire par là de l'indé 2011, c'est juste. C'était un repère, parce que la révolution musulmane par le temps arabe, c'est à partir de là que le pouvoir algérien pour un petit peu absorber la révolte et naître l'initiative pour créer des chaînes. Alors, parmi ces chaînes de télé, j'ai juste mis Taguini d'Aguinée. C'est une chaîne publique,
4 Mazien. Le reste, c'est des initiatives privées, des projets privés qui ont la division, en TQ5, en compagnie TV. Il y a un autre canal, c'est à la Guinée, mais où non, vous ne voulez pas du site d'eau, c'est Maharibia. Maharibia, c'est où tellement commence à avoir plus d'audience par rapport à ce qui se passe actuellement. Maharibia, c'est une création, évidemment, ça a été dénoncé par un groupe d'angoisse islamiste, pas même son nom de terre. C'est toujours c'est des chaînes qui sont offshore, ça veut dire, ils ne sont pas en Algérie. C'est un des bureaux de production, c'est un des trucs en Algérie, mais le statut juridique est celui d'ailleurs. C'est un Maharibien parce que Maharibien, c'est qu'ils ont commencé, ils ont versé dans l'opposition en France, les politiques. Un certain moment, je crois que c'est une réflexion, n'est-ce pas, puisque vous êtes dans l'opposition. La seule région en Algérie qui est vraiment opposante, c'est le vrai. Ça veut dire qu'ils ont créé un deuxième canal, c'est Mazir. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire la promotion de la culture dans la cabine, c'est juste pour récupérer. C'est juste pour récupérer. C'est juste pour récupérer le téléspectateur lien à la cabine. Parce que, évidemment, de la matière, le sujet, parce que c'est politique, c'est opposition, c'est tout ça. La Guinée, moi je me suis posé, quels obstacles qui empêchent une émergence qualitative et quantitative des projets de chaîne de TV à expression cabine. On va dire ça en tabulaire, parce que c'est lié au militantisme, la cause, et que plus on aura toujours, ça veut dire, ça nous mène vers le problème politique. L'État n'a jamais eu volonté de laisser des médias à expression cabine. C'est-à-dire là. Et puis, c'est un point. Vous pouvez aussi l'avancer. Il y a un autre obstacle. C'est toujours la politique, c'est la liberté d'expression. Les journaux qui ont plus d'existence que les chaînes de télé, ils subissent à ce jour le problème à Guinée de la liberté d'expression. Il a, ça veut dire, tant qu'on a renseigné sur par la rue, on t'a guidé là, on ne peut pas se prononcer. Deuxième question aussi, la Kabylie peut-elle prétendre un avenir diversifié de son paysage audiovisuel? Bien dernier, c'est possible, je suis optimiste. C'est possible dans le sens où même il y a des obstacles que je viens de citer et que c'est que l'initiative est là. Parce que, on te fait un exemple. En 2011, il y a même des personnes qui m'ont approché qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. C'est une idée. Et alors, il a pris 10 minutes déjà pour se présenter. Donc, tu veux qu'on fasse de présenter, mais c'est qui n'est pas, évidemment, des chaînes. C'est-à-dire, à minute, il y a un peu de temps, vous dites que vous avez un michel de la chaîne, est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'il y a une étude faite dans ce sens? Est-ce que, quelle sera la tarifine de Torek Kine? Est-ce qu'il y a un rapport de prêt bancaire? Soit les thèmes, comment ils réfléchissent. J'ai oublié un détail tout à l'heure, mais voilà, on s'en va pas. Vous voyez, il y a un exemple, des initiatives doivent en faire. Quand nous venons, Londres, Moyen-Lan, très demande, ils ont essayé de travailler, de vous dire, j'encourage aussi le groupe TQ5 dans le sens, et les aussi, c'est que, il doit y avoir plus d'initiatives. À part où on est 70, il n'y a que 26 qui ont servi. Pas mal. Pourquoi nous prions? On ne peut pas entendre. Il y a des initiatives. On s'affiche le début de rien. Mais il y aura possibilité que tu aies un snap là-dedans. Ça, c'est mon point de vue. Dans ce point toujours,
Ça veut dire qu'il y a des moyens à mettre en place, évidemment, c'est que, je dis aussi l'initiative tunisienne, l'initiative de projet de chaîne en Kabylie, il n'a pas de forme. Bien, c'est un point très important, il n'a pas de forme. Si le phénomène de militantisme, de volontariat pour le travail pour l'autorisien. L'autorisien, dans le monde entier, c'est un, il faut que ce soit un business. Parce que c'est le business qui va porter la langue dans la culture, par exemple. Il faut que ce soit un business. Parce que le volontariat, c'est plusieurs expériences clinique, mais ben, j'ai bien réussi le projet audiovisuel dans le projet de chaîne. Il faut aller vers le professionnalisme. Il a travaillé, c'est un business, il a travaillé une industrie. Il a connecté les relations des ordinistes. Il a des ordinateurs qui ont 2 ans, 3 ans à dire là. C'est comme ça que ça se passe au monde entier. Vous connaissez évidemment le fait que c'est la cause, il a quotidiennement dans ce sens et tout. Mais au monde entier, une fois que ça passe le volet global, c'est un business. Là, on peut parler d'une réussite de l'audiovisuel. Mais elle est là, 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 elle est là. Donc, il y a des gens qui ont été
الفريش اللي استقام بين ثلاث بين الى خارج سحمون هذا الصار يقولي يا ونشكروا القران غير من يقدروا بس ديما راه في وكيل قبيل السوسياليست في اختيار دونك كيف دانا ديفيكسناس انا كنا في كاوتو ودرس قبيش الشغل يوعى كنا في السيوا دانا ماذا شو السيوا Donc, par le service, par l'expérience de la semaine, hein. L'expérience, c'est des enseignements. Je suis quand même là, qui ont relevé ce défi, où il y a une assaut de semaine suivante, avec Sauron, c'est une race à l'île. Si on a déjà gagné Sauron, sous chez Maréal, ou bien sous une année. Donc, de mal à passer en Donc, ils sont parmi les gens qui sont donc, malgré ce que la carrière est rigolée, c'est ça parce qu'il y a une dame à l'art des chantiers. Il y a des chantiers qui sont rigolés. Il y a des officiels partout. Machin, Major Diros, Rassio Saroso, a dit Ferrer Keralus. On va dire, tu vois, je vais vous dire, tu vois, je vais vous dire. Il y a un savon, tu connais la salle. On a un terrain, il y a une haine, il y a une. Dan is er een goede manier om te leren. Je hebt ook zitten dat je daar eigenlijk voor zit. Tira, zeker, ze hebben niet zeker tira. En stel je daarvoor iets vrij. Maar waarom moet je? En ik neem het naast je, dan is het de mond numeriek. Want mijn dan is het de boord, het is de boord van de koran. En ik heb de bliek aan, dat is het idee dat we een man kunnen قدش لك أثورا لكن أما فيسبوك أدوارس تغيدي أما بصني غن موزي عارف سيدي تصرى شي تسيبنا وتقصني غن وإذا عليك الميلة الشميل في المتفرقة دفو الدعمات اللي تغيدي تسهيل لنا مع الليتراتور لا الليتراتور في اللي ديس كان لكن اسم دياس لا رسول لما تم دياس وزاليس ورا يورا نارتر ومدلس يفرر Donc, il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran pour se juger. Donc, il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran. Dans une nouvelle génération, il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran. Il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran. Il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran. Il y a ce qui est en fait qu'il n'y a pas de l'oran. C'est un complexe du colonisé. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Non, ils sont là, mais ils ne sont pas venus. Donc, c'est ce que je veux dire. 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 C'est ça l'objectif. C'est ça l'idéal. Et c'est bien. Donc, je veux dire. Et moi, je veux dire. Ainsi, on va voir les liens. Après, il y a une sorte dans ça. Parce que là, on va voir là. إلا قام اتخاذ إلا قام كبلث لكن إلا الحسين سيبا عليك دي زادي بيولي دي ميليتان تيران سيو نعم ندوى باسي دي زفور عكير دي ميليتان تيز عندما نسبل توت سيوي دي زانستيتوسيون نغ دي خبانيين لك دي الحسين يمكن تقبيلي فلقا تشمال وذي شمال ردينا سي جوشت اون كيستيون دو طون الوقت اللي كيجي ماسك خمس سوايع دار كبير 10 سوايع سن 15 20 هذو نسمى لا كورب السبور كاين هذاك الميتين بيت ما كاين ولا تشوف عند فقط سي دو مور ولا كويس كيف تكون تقريبا ندير على الكورسيس دو سيريك باش نعرف ولا كاين ولا يشوف 2025 كاين غير هذاك ميم كو دي مون ولا كويس كاين هذا تقريبا سير ما سبورت لا على يعني بعد كل اوكي سي ديريكتور وي دونك كاين كومباك في سيرفيس كيرني عمدا لكن انا رجو ما نساو ما هو امريكا نساو الدولة ما كنا نبدو الشغل نزرع اول ليك ماشي مسكين اشو سيام اللي حضر و اللي تغيبي يرى اثقر في الشغل سيام بي ابا بقى في الحال اثن نشبك قلبي في السبب و السفا و فاشي بعد الصور سوف في عاد سيام في الزيماش في الضغط و طريق صوتا بستيلي سيام في الزيماش بين كرا رد نجبا دونك بين كرا كمال يومي غير نسد دولار سيتورا دونك ولا ديك السؤال راه وسيرم يستغيد ديك وين تبع مدنا
كنا نصفسيني وزوغل أسليني أكينا نسالة من سالة حضروز حالة تبوي دي مغروض أخطرت ساعة في الكرة النقطة أنا كنا يوث تخصيناهم داري لقد يعسي ودي مليس نعني فرق النقطة كوري دي دونك ما إلا قبل كده تبورا زاد هنا من اللي شكون طول بين يوفا تسافيث يوث كانوا بري دي لحظة سيس سالة في السواء مشا لا وريد قرار شكون طول كان بيس ممكن تنديل مولاش على ولا راه يستغل الشغل اللي راه يقولي كل صواب راه خصو تيكون في الخر دونك في الميو صراي لي موان اكني بغي لي الحال اكني بغي لي مستعم مول تقبيليت اما غاتقيم لك اما غاتحلي كلا انتباليت انا راه تو غاتا في الدراسه انا هي اليوم ما غاتا تو غالو كيتيمون انت مع ما هكيا يول ونكراو لكن راه شي دينا كراو سيدينا سيدي ولا راه يول سي بالسيستيميكاتيف دونك انا كراو aussi bien dans un système éducatif, elle est à la zèle, il est là. Elle est là, 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 le référent culturel. Elle est là, il n'y a pas le référent, il y a tout le reste de l'équipe. Donc, le petit point de l'Akhra, elle est là, elle est là, sous bride, elle est là, avec une manière organisée. Donc, elle est là, sous une autre manière. Donc, moi, je suis à la fin de la question. Je travaille de telle sorte à mettre en point ces institutions. La grande question, c'est quoi? Ismaël, il y a un barbel, Ismaël, il y a un doula, attention, il y a un chita à guerre, il y a un mort, il y a un chita à libération, 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 il y a un إنس أما ذا النكينا إلى ويا التكنولوجيا والساعة إميان الساعة إذا بدي نصدر سين في مظالم دمان يولنا الوجيان اللي بينسيد الحيان وتلات تلات في نفس الحيان سين المظالم ويلني النكينا في سنة الأربعة سين المدرمي رسول الله ما في سنة الأربعة سين الحيان يولنا التفاصيل سبلاً في الجلس إذا ما بدأ السوسيان تعرف استقرار واحد قسمنا أما بعض وسيلة إلى ما بعض بيننا ما بعض استقرار سيدنا بس في الطرق طريقه في يلي دوس السنس السيف ولا كده إيه قالوا فاكن زمان اللي بسنت ما يلام ولا ده هو اليوم اللي سكتنا يعني ما لنا أوسكا إذا ولا أكل أصغر أزعل أصغر فما بيجي هو أصغر بيجي سيد دزوج ولا بيجي أخيرا أنا أدخل ديبار إلى عام فارس الساعة على فارس الساعة ليش أسكاسيان ديبار إذا شو ديبورا عن ديبي سانك الدين شكاعد لأولي ثاني واللي كومنتار واللي سوجيسيون و بيوريت على ديبي سانك رادرس الكوريا لديبي سانك لكن هذا الإسلامس الضاوية إثنين مساكن دينا غاز وأخيرا ودينا بالعادة 8 جوان ديال وشنايا ديال من هاد هادي زعما مونريال هادي شنو فان هادي هنا بلاصه ديال كاسيني اللي كندس
بس بغص مع تجنيد وين يشنا وين يخدم كما كان قال الوكيل ويسين لي ديالي ديال ويسين انا هو راه